Voilà, ce soir, vu que on n'a plus rien de prévu, on peut faire Dark Pictures House of Ashes, qui normalement est mieux que les autres. À voir ce que ça veut dire. Oula, alors attends, je m'attends pas à une dinguerie non plus, hein, Je pense que c'est relatif, ouais. Tu vois, c'est mieux que les autres, ça veut pas dire que c'est bien. Voilà. C'est. C'est le, C'est. on peut dire que c'est le moins pire. Donc, je vais jouer tous les persos. Et pour ça, vous devez vous engager à pas me chier dessus s'il y en a la moitié qui crève. Mais on va faire au max, hein. De toute façon, c'est, on a bien compris un truc, c'est qu'il est impossible de faire survivre tous les persos parce que ça dépend beaucoup de l'aléatoire. C'est C'est vrai pas que qu'une dans. question de QTE raté, c'est une question de, bah des fois, tu préfères prendre le dentifrice ou le savon? Ah bah Non. tiens, t'as un des deux choix qui va te tuer. C'est vrai que dans Dark Pictures, c'est souvent assez. De la merde, les choix. Et les Je morts, pensais mais que tu utilisais des mots techniques genre arbitraire ou quoi, mais non, tu as dit de la merde. non, bah en fait, je trouvais pas, donc rien du tout. Les morts dépendent pas. On a le droit, éventuellement, de critiquer le streamer si un perso meurt à cause d'un QTE raté. On est tous d'accord. Mais tu vois, quand tu dis par exemple qu'au dernier on a joué, la mort du personnage dépendait de si on se sacrifiait ou non, et en fin de compte, en faisant ça, Oui, ça c'était pouvait le bizarre. sauver. T'es en mode bah. Non, mais il y Moi avait je vais des te trucs. sacrifier, au final, ah bah non, il y a un ustensile qui a pété la vitre, du coup tu t'es pas sacrifié et t'es encore en vie. Non, c'est de Ah, la tu peux pas le chiasse. deviner, tu vois. J'aime pas le fait qu'ils mettent moyen au lieu de difficile. Enfin, tu vois, genre. Enfin, qu'ils mettent difficile au lieu de moyen plutôt. Tu vois, Clémente, j'ai l'impression que j'ai pas de couilles. Mais difficile, j'ai l'impression que c'est trop dur. C'est chiant. C'est vrai. C'est Par un peu le contre, but tu du peux jeu. Non, c'est streamer pas le ton but du jeu. jeu. Ah oui, c'est mieux, oui. Et au fait, t'as acheté quoi, Leroy Merlin? Alors attends, là j'ai. Alors là, je donne tout pour comprendre. Je donne tout. T'as été acheter quoi, Leroy Merlin? Quand? Bah, la dernière fois que t'as été Leroy Merlin, là. Quand? Comment ça, quand? Ça fait longtemps que je suis pas allé à Leroy Merlin. Merde. Ah! Ah! T'as cru que j'avais Ah, 45 ans à aller à Leroy Merlin tous les 3 jours? merde. Eh ouais, mon gars. En fait, il y a un gars qui m'a dit dans le chat, j'ai croisé l'un que le roi Merlin, et du coup je me suis dit, ok, je vais le faire flipper. Et bah, il m'a pas absolument pas croisé Leroy Merlin du coup. Ou alors il y a longtemps. Ou alors c'est il y a longtemps, et il s'est juste dit, il faut que je le dise. Ouais, ou alors c'est grave longtemps. Merci Aurélien pour le pack légendaire et le display. Merci à Beaucoup de vous. gens achètent des cartes, c'est très gentil. Ouais, depuis la vidéo, merci, vous avez vraiment fait péter les stats bien comme il fallait. Et c'est génial. Sauf quand on regarde le G-Sheet. Bon, pas si bon que ça. Des fois, tu vois, c'est des petits insights que j'aimerais bien pouvoir donner, mais je me dis, est-ce que je peux? Je ne sais Non, pas. non. Non, bon bah, Non, ça non. je le garde pour moi, c'est une private joke. Private joke. Combien de boosters vendus? Bah là, c'est pas Alors, la encore mis fois à que. jour. Bah, c'est moi qui compte en fait. Ah d'accord. Ah bah. Et bah, la dernière fois que j'avais compté, on était à 120 000. Mais il y en a plus maintenant. Damn! 120 000, c'était, je crois, 48 heures après la sortie de la vidéo. Y a moyen qu'on soit genre à 130 là, vu qu'il y a le week-end. Enfin, champion quoi! Champion! C'est bien, bravo, GG! Et au final, pour savoir, je me faisais chier à faire des probas et tout. En fait, c'est super facile de savoir t'as une chance sur combien d'avoir un booster, un ticket d'or. Tu prends le nombre de boosters total, tu divises par 5. Ah ouais, c'est simplement ça le calcul? Bah ouais, je m'étais fait chier et tout, d'un moment je fais, mais en fait c'est simple. Du coup là par Bah. exemple on était à 120 000, bah divisé par 5, bah vous avez une chance sur 24 000 d'avoir un ticket d'or. Oh ça va, une chance sur 24 000, oh là là, tranquille, c'est l'inverse. De base c'était une chance sur 10 ou 12 000 je crois. C'est l'inverse. De quoi c'est l'inverse? 5 divisé par le nombre total. Ouais, enfin. Du coup c'est pareil, non? Attendez, ça revient au même, non? Enfin, je veux dire, Enfin, si je c'est fais juste ça 5, s'exprime différemment, non? 5 divisé par 120 000, ça fait 0, virgule... Oui, mais là, vous me donnez le pourcentage de chance. Ouais. Ça revient au même. Toi, tu voulais pas C'est le plus explicite pourcentage. de vous dire une chance sur 20 000 que de dire 0,0004. Après, il y a quand même 4-0 hein, dedans. Ça donne une idée. Ouais, Oh il y a putain. 4-0. Aïe. Mais du coup, Tanguy, qui, soyons réalistes,
a plus de chances que les deux d'avoir un ticket d'or, mais quand même pas une chance sur deux d'avoir un ticket d'or, il sera quand même dans la vidéo. C'est déjà ça de gagné. C'est déjà bien, mais aucune chance d'avoir un ticket d'or. Lui, c'est celui qui a vraiment le plus de chances d'en avoir, en termes de probabilité. Ouais. Probabilité. Merci Raphaël. Ah, il y a trop de gens qui prennent des packs. Hein. C'est Mais c'est folie. toujours un régal. C'est une folie. Hein. Ils vont jouer quand? En plus. Quand on aura fini de discuter avec vous, notre communauté chérie, s'il te plaît. C'est pas possible ça. En plus, vous serez ravis de savoir qu'on a enfin la version définitive des cartes holographiques. Elles sont magnifiques. C'est faux. Nous C'est n'avons faux. toujours pas C'est faux. les versions définitives. Je suis à 120 BPM toute la journée car je n'ai pas encore les cartes holo dans les mains et j'ai très peur. Voilà, c'est Mais tout. sachez que pour les 150 premières cartes qui n'ont pas d'effet, elles sont validées, elles sont géniales. Nous les avons. Ah, c'est quand même bon. Et vous savez quand est-ce qu'on a demandé ces cartes? Eh ben, il y a très longtemps. Putain. Bon, Ouais. espérons que cette semaine le problème soit, enfin, ce sujet soit résolu. Bon, allez. Je sais pas si ce sera cette semaine, on n'a pas de date. Non, mais ce serait bien que ce soit cette semaine quand même. Ce serait bien, oui. Bon, du coup, je me mets en difficile parce que je suppose que Clément, c'est trop facile. Bah difficile, on dirait que c'est le juste milieu, sauf qu'ils ont appelé ça difficile quoi. C'est ce que je disais, je trouve ça quand même dommage d'appeler le mode moyen difficile. Et le mode normal, Clément. Ça va pas du tout, je me sens mal. Bon. Oui, il manque une catégorie entre les deux. Ouais, du coup, je mets difficile, mais bah, j'ai peur quoi. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Chaque choix a ses conséquences. Waouh, certaines décisions peuvent sauver des vies. D'autres conduire à une mort certaine. Choisissez avec discernement. Ouais, Ah! Pierre Palmade aurait dû choisir. Tiens, elle est gratuite. Bah comme on dit souvent, prendre de la coke et ne pas dormir pour 24 heures ou conduire, il faut choisir, hein. On est désolé, hein. Si vous mangez, c'est terrible. Tout de suite, là, comme ça. Ah mais c'était en 2231 avant Jésus-Christ donc ça va. Ça coupe pas l'appétit, c'était il y a longtemps. Ça n'a rien à voir! Mort! Je ne veux pas mourir. Silence! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Baladou, pardonnez-moi, Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Général! Non mais il y a quand même un gros effort pour rendre le doublage ridicule, hein. C'est quoi ce gobelin Ramène-le là? dans sa cellule. Je m'occuperai de lui plus tard. Alors comme ça, t'as acheté un balai le 7 janvier? T'as de la chance. Mais. Putain, non, je suis T'as de bête. la chance? C'est vrai ou pas? Non. Mais oui, c'est Ces vrai. chiens n'en auront C'est vrai? Mais c'est un malade. Genre, il a noté à quel jour il m'a vu et est-ce que j'ai acheté? Mais c'est T'as un acheté malade! un balai le 7 janvier? Général. Bah oui! Enfin, je sais pas si c'est le 7 janvier, mais je sais que j'ai acheté un balai! Bah, Le je suis roi! sûr que c'est sûr qu'il a raison. Folie, T'as menace acheté un toute balai une le Est-ce que tu peux lui demander si c'est 7 le mec qui janvier? m'a souri à la caisse et je Tu pensais qu'il mourus était gentil, mais de c'est un mourir malade! dans ce lieu Attends, maudit, est-ce que. que Ouais, les ou rayons de alors. maladie ou Est-ce que tu es maladie. le gars qui a. Est-ce qu'il m'a vu à la caisse? Parce que moi Nous j'ai avons vu un su couple à la descendre. caisse qui m'ont regardé en souriant. Mais genre j'étais en mode, oh, une petite interaction sympathique! Et là. Oui, c'était lui, oui, Vas-y, wesh, c'était deux mois lui. plus tard, il m'envoie. Je sais que tu as acheté un balai à le roi Merlin, Villeneuve d'Ascq. Il me fait peur. Rien n'échappe à mes yeux. façon, Regarde, non, en autour vrai, de toi, t'as un sixième sens, tu cette l'as pas salle vu? n'a-t-elle pas Ah si, si, suffisamment bah, je l'ai attiré totalement ton vu, regard? si, bien sûr. Ah, ok. Mais je Parce sais que même tu sais, plus les si on gens s'est qui parlé nous ou quoi, observent j'ai sont oublié. les. Oh oui, on voit vite. Les goutilles approchent, général. D'ailleurs, je sais pas si Dieu t'es là, de mais la je Lune me fais envoie pour une tout, hein. armée Le pour vendeur nous de chez défendre. Picard, pas celui qui me connaît, Je rassemble notre celui qui m'a toujours ressurgence. pas dit qu'il me connaissait. Bon, je sais que tu me connais, Bien. hein. Ah, Et c'est qu'en terrible est-il ça. d'en bas? Ça, c'est terrible. Parce que ça se voit très Il y vite, hein. a En des fait. centaines Ou de alors, je te prisonniers. plais vachement et tu me trouves vachement mignon, mais Et c'est-à-dire que tu souris à sacrifiés personne pour d'autre dans la notre caisse comme cause. ça et dès que c'est moi. Le temps est ce qui nous fait C'est cruellement possible, hein. défaut. Peu importe. Tout le sang de Qui a cette armée écouté? nourrira le désert. Le sacrifice Oh, c'est Dark sera bien Pictures. accompli.
en commençant par celle-là. Dites-moi, général, vous rappellera-t-elle quelqu'un? Mon roi. N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tu es là. Réticence. Mon roi, ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille? C'est lui qui va mourir du coup. C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur les goutis. Non. Chaque goutte de sang versée nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir. Ça pourrait être ta fille. Le roi a dit qu'elle devait mourir. Alors elle va mourir. Oh, trop stylé. Trop stylé. Hop. Mais trick shot. Pas obligé. C'était vraiment pas obligé. C'était juste pour prouver que je sais le faire. Ah, vous avez vu comment je vise bien? Vous avez vu comment il est fou? Waouh, il est trop fort, franchement. En tout cas, le roi est satisfait. Oh, le roi m'a applaudi, vous avez vu? Je te jure que si je loupais mon tir ou que je le faisais pas, le roi allait me tuer. Mais là, tu viens d'ouvrir une malédiction. Oh, pas grave, ce sera dans quelques milliers d'années, j'imagine. Moi, ça, je m'en fous. Hop là. Avec les autres. Attrapez mon roi! Comment il est mal fait le sang? En mode c'est le seul truc qui est mal fait dans le jeu. J'ai vraiment tout est nickel mais le sang. Ah, il est tenace, hein. Ah, il est chiant, t'as vu? Il est trop chiant. C'est de la saloperie, ça. Ouah, il est trop chiant. Donc il y avait un système de clés et de verrous à l'époque. Combien d'années avant Jésus-Christ? Ah bah plus de 2000 ans. Hein. Putain. Eh, c'est fou. C'était pas con à l'époque, hein. Y a pas une, vraie histoire, le nez des sphinx d'Égypte qui n'est pas finalement tombé parce que c'était une pièce qui se détachait avec le temps, mais que ça a été cassé pendant une période de l'histoire, ou j'invente? Il me semblait avoir lu ça un jour. Est-ce que les nez des sphinx avaient été brisés pendant une période de l'histoire? On a aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils font laguer mes alertes sub. Ça, je le vois. Oui, c'est Obélix qui l'a détruite. Oui, voilà, c'est ce que j'avais cru dire, merci. Oh là, regarde, c'est... Alors soit c'est une éclipse, ce qui arrive une fois tous les X années, hein, c'était pas quelque chose de rare. Soit c'est une malédiction. Voilà, c'est un massacre. Non, c'est juste une éclipse et un massacre. Pas de malédiction dans l'histoire, c'est bon. Tout va bien. Ah non, ils ont réveillé. Oh là, ça c'est une malédiction. Je sais pas si je peux faire start. T'as pas encore le droit. Dieu, donnez-moi la force.
Le roi a été tué, hein. On dirait bien quand même. Et lui, il est plutôt content de ça. Oh, je sais pas ce que c'est, mais 2-3 QTE et on en parlera plus. Ne vous inquiétez pas. Mais tenez la porte ensemble! Associez-vous! Oh! Ah là, les gars, le problème c'est qu'il faut que vous alliez, hein. Occupez-vous de la porte! Aide-moi à goûter! Et ben voilà! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. Attends. Mon roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque dans la ville. Ne laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple. Que peut-on faire? Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Oh, ça a l'air d'être une bonne idée, les catacombes. C'est pas effrayant. Surtout tout à l'heure, dans les catacombes, il y avait un bruit. Un gros bruit. Après, quand tu vois l'état de la porte d'entrée, en vrai, les catacombes, ça paraît être une bonne idée. Mais montrez-nous ce que c'est, on veut savoir. C'est quoi comme genre de monstre? Zombies? Ou ouais, ouais, pour moi, c'est une espèce de... Moi, c'est des ghouls un peu, genre. Les Dark Pictures, appelez-nous si vous voulez du doublage, hein. Quitte à être drôle, faites-nous faire des personnages. Viens m'aider un peu. Bah j'avoue, les doublages ils sont... J'arrive pas à être dedans avec les doublages là. J'arrive pas à me concentrer là. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce tombeau. Un tombeau ? Oui. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Ah, ça se déplace à quatre pattes alors. Il disait quoi à propos de la touche Y? Alors, j'ai pas du tout lu. J'ai vu que tu devais ton rythme. Ah, super. On saura jamais. Et apparemment, il y a un truc avec la touche Y, mais je le découvrirai un jour. Oh, encore. Ça va vraiment être dur pour qu'il te le mette deux fois. Très très dur. Ah, ça peut changer de touche et devenir la touche Y. Ah, d'accord. Ce n'est qu'un rat. Du coup, ça devient extrêmement dur. Tant de morts. Pour rien. C'est vraiment qu'un rat? Tous morts enfin. Pour un roi fou. C'est un rat? Apparemment, ouais, c'était qu'un rat. Mais. Ah! Je radote, je pense, mais ça me rappelle la momie et les scarabées. Je... Oh. Ça me faisait très très peur. T'as le droit de radoter. Ouais, ouais, je sais, mais bon, tu sais, c'est comme toi, t'as pas le droit, j'ai pas le droit non plus. Il faut que je clippe vraiment le passage d'Adrien Méniel qui se fout de la gueule des gens qui disent qu'ils répètent les mêmes choses dans le footcast. Ah. Je te jure que ça, tu verras, c'est libérateur. Parce que, il faut que je vois ça. Que si eux en ont marre, est-ce que les gens leur disent aussi,
C'est qu'en fait, on est juste normaux. Ça me fait plaisir, je me sens tout à fait normal d'un coup. Nous avons créé notre malédiction. Pourquoi votre roi a-t-il pillé le temple? Mais c'est du toujours coup, la même raison à travers l'histoire. Si je me souviens bien, on va quand même jouer gloire, une équipe d'explorateurs à un moment de bah, dans les temps là, modernes. Dans le trailer de ce jeu-là, on joue une blonde avec une M4. J'ai du mal à croire d'accord, que 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des M4. Du coup, alors quoi que s'ils avaient des serrures, ils peuvent avoir des M4. Soit on fait tout le passage introductif, soit on fera deux histoires en parallèle. Ah, ça peut être un jonglage. Moi, je pensais que c'était un passage introductif plutôt. Oh, je pense que c'est introductif, mais. Ah ouais, non, mais ouais, comme ce qu'on avait fait sur l'autre, un tuto finalement. Comme quand on avait fait dans l'hôtel. Ah oui, c'est vrai que c'était ça dans l'hôtel. On jouait aussi ouais, avant en guise d'introduction. C'était juste une intro. Un tuto même. Par contre, c'était pas fortiche avec les portes, hein, quand même. Hein. Elles ont l'air super lourdes, ça a l'air super chiant. C'est pas très malin. Hein. Bah ouais. Passez devant. Ça ne risque rien. J'ai dit, passez devant. Quelle autorité. Quel charisme. Quel est cet ornement que tu portes? L'histoire de Gotium. Vous, les Acadiens, avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa barbe, là? C'est quoi ce truc qu'il a dessus, là? C'est exactement ce que je me disais, moi, au tout début, quand on l'a vu parler au roi. C'est ridicule, pourquoi faire ça? On le voyait en plongée, et en contre-plongée, et c'était particulier. Ennemi de mon ennemi. C'est des petites écailles de tortue, sa barbe. Bizarre, ouais. Entrez dans l'eau. C'est bon, on est copains. Il y a bon bah écoute, je me suis moqué de la temporalité de la serrure, mais finalement on m'a cloué le bec. La première serrure avec clé fut découverte en Égypte et date de quelques 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été fabriquée en bois de teck, mesurée à environ 2 pieds, 60 cm, et contrôlait l'accès à un temple. Combien y a-t-il d'entrées à ce tombeau? Eh ben, bon bah, alors nous ne sommes pas seuls ici. Oh, il a un long serpent, avant lui. Jésus-Christ. C'est une métaphore, tu crois, le serpent? J'en suis quasi sûr, mais je suis pas spécialiste de l'Egypte. Par ici. Alors, je l'imaginais pas comme ça. Là, pour moi, c'est une momie. Oh, c'est quand même lourdois. C'est un ancien dieu déchu qui va les traquer. C'est Anubis? C'est le seul dieu que tu connais? Non, mais je crois qu'Anubis il est genre tout noir et. Il n'y a pas d'issue. Là, il était tout noir. Notre mais... seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux, on meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre? Trahir? Non, pas trahir. Combattre? On est vraiment gentil, je vous jure, on est gentil. Arrêtez bah, d'essayer de tuer une fille qui pourrait être la tienne. Parce que mon roi me l'a dit, je suis loyal. C'est une qualité. Encore une fois, la loyauté, c'est vraiment la pire qualité. Hein. Non, je suis loyal. Cette créature est visiblement aveugle, elle a un sonar. Oh merde, je regardais le chat. Je regardais le chat qui me disait Akar, c'est pas en Égypte. Ok. C'était que les personnages introductifs. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Oh
Est-ce qu'on peut voir ce que c'est? Non, on verra jamais. Oh. Ah bah là, si on... Ah oui. Oh, oh non, putain, l'intro. L'intro du diable. Oh, 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 oh. Nickelback. Oh. Oh. Et attendez. Non mais attendez. T'as vu ce que t'écoutes. Attendez la suite. Attention les cœurs. Mais c'est pas fini, y'a pas que les cœurs. Oh putain. Préparez vos guitares métal. Les araignées. C'est terrifiant. On pourrait faire les pires intros, je pense que celle-ci elle arriverait à se hisser dans le top. Wow. Le choix de la musique, sérieux. Mais putain. Il est content, regarde ses tableaux. Ça t'es vraiment bien métal. Ah le chat adore la musique, hein, y a pas de problème, mais c'est pas forcément la musique, hein, c'est quand même le fait qu'elle soit là maintenant quoi, dans le jeu, c'est quand même ça le problème. Vous chancelez. Bon alors attendez, parce que vraiment les alertes sub elles sont en mode pitié, épargnez-nous. Qu'est-ce qu'elles ont? À cause de quoi? À cause du jeu? C'est juste que, normalement c'est quand il y a le DLS ou des trucs comme ça. Je regarde quand même. Ah non, il n'y a pas l'HDR. Ouais, à cause du jeu, ouais. Eh bien, je ne sais pas. C'est juste le jeu et... Dommage. Tu veux bloquer des FPS via NVIDIA? Ouais, mais faut que je redémarre le jeu. Et ça peut sauvegarder, là? Bah, je sais pas. Ouais, prends pas le risque de le faire maintenant tout de suite, mais attends que ça se lance. Votre survie dépendra des choix. Oui, bon, il va nous faire des métaphores de merde encore. Oh, je l'écoute pas. Ah non, là, je l'écoute pas. Ouais, personne n'a envie d'écouter. Hein. Le ah, vieux c'est fou, bon, là, hein. Ça marche. Ouvrez-vous le chemin menant au salut? Ou errerez-vous à jamais dans le noir? Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix. Difficile. Sérieux? De ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Vous vous demandez certainement qui je suis et où vous êtes. Je suis le... Mais je sais très bien que votre personnage, vous ne savez pas où vous allez avec ça. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. Elle est remplie d'histoires inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie. Et de mort. Il abuse trop, ce doubleur, il abuse trop des fois. Je suis pas là. Il devient la parodie de lui-même, genre là il a fait de vie. Il faut arriver d'enfreindre les règles de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement... En fait j'aimerais bien qu'il me lise un livre audio. Tu vois. Mais je veux pas qu'il colle à ce personnage. Déjà il y a un problème d'âge. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil.
Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère d'accord. de prendre garde à leurs messages. Elles pourraient annoncer un futur à éviter. Mais vous répétez à peu près les mêmes choses à chaque début de jeu, en fait. Le temps qui nous était imparti est écoulé. Oui. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs. Oui, c'est tout joué dans tous les sens à la fin. Ouais, je fais la petite tête, une petite moue. Pas compris. C'est en pleine guerre, déclaré par George Bush à Saddam Hussein, prétextant une invasion américaine pour voler le pétrole irakien. Précisément. J'en mets un petit contexte géopolitique là. Lui, je suppose qu'il est américain, je sais pas pourquoi. Ah, lui aussi. Et lui, il est breton, ça se voit. Colonel, bon voyage. Eric King. Pas particulièrement. Bienvenue à Kanslayer. C'est en avance. Non, je suis le boss ici. La salle de briefing est prête. Oh, d'accord, la salle de briefing est prête, du coup le personnage nous aime pas. Connard. Dès qu'on aura le feu vert du commandant. Je dirais qu'il est complètement susceptible, non ça. Elle est pas en train de parler derrière, elle disait. Non, elle mange un chewing-gum, mais. Mais elle a une tête vachement énervante. Ouais. Et vous êtes. Ça va pas être un perso, ça quand même. Si, ça va être un perso, c'est horrible. J'espère pas. Mon assistante, Clarisse Stokes. Docteur Clarisse Stokes. Ah la gueule, elle est bizarre. Elle était déjà là sur des précédents jeux, j'en suis quasiment sûr. Parce que sa tête m'avait déjà énervé sur des précédents jeux. La salle est prête. Ah, elle a... C'est quoi ce terme quand un robot essaye d'imiter un humain, mais cani, une cani, valley, valley. Une cani... Oh, bah, bref, t'as compris. Ouais, et bah c'est exactement ça. Ça me fait peur. Mais c'est ça dans tout le jeu, hein. On dirait un monstre. Non, mais elle, vraiment, on dirait un monstre. Elle me dérange. Oh. Mais elle aussi, elle... Bah alors, c'est Gollum, c'est quoi ça? On dirait qu'elle a un long cou et qui s'étend. Mais oui, et... on dirait une tortue, on dirait une mi-humaine, mi-tortue, que c'est cette histoire. Alors qu'en plus, elle existe vraiment, c'est une actrice. Mais ils ont raté tous les visages des meufs, quoi. Comment ils ont fait? Notre dernier jour ensemble, Rachel. Lui, il est normal. Quand il est arrivé au poste de contrôle. J'ai et encore, quand il va se tourner, je suppose qu'il aura un coup de 6 mètres. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serais sans. Oh putain! L'embrasse pas, ça se trouve, c'est un monstre! Humanoïde! Je vois bien que c'est Anubis! Elle est porteuse de la malédiction! Rachel King. Le colonel King est arrivé à la base. Ah, Rachel King, tiens. Alors que l'autre s'appelait King aussi. J'arrive ils sont mariés, femme! Merde, c'est lui! Oh, elle trompe son mari! Merde, c'est mon mari! Oh! Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler? Oh, c'est déjà très croustillant cette histoire! Allez, dis, Rachel. T'as l'intention de lui parler de nous deux? Avec Eric, vous êtes séparés depuis un an. Oh, ça va. Ah. La relation, elle est forcément finie. Ex-mari, mais elle garde son nom. Mon cœur, je pense que c'est pas le bon moment. Mais putain, c'est jamais le bon moment. Bientôt, Nick. C'est promis. Bientôt. On se retrouve au briefing. Merde. Quoi ? Sa tête me fait trop rire. Mais tu sais que c'est une vraie actrice, elle existe dans la vraie vie. Hein. Mais je veux voir la vraie, c'est alors, pas attends. Possible. Je... C'est quoi le nom du jeu? House of Ashes. Juste sa tête me fait rire, je suis désolé, il y a un problème. J'en viens pas. Mais même elle, il y a un problème, c'est pas normal. Alors par contre, si l'actrice ressemble vraiment, je suis vraiment désolé. Genre, Ah oui, non, mais c'est la copie de l'actrice que je la reconnais. Quel tableau. Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un truc qui a dû être mal reproduit là, parce que c'est pas possible. On a la CIA. Alors elle s'appelle Ashley Tisdale. Ok. Alors, je vais essayer de trouver une. Vas-y, bah. Alors sur Google Images, mais. Ah ouais, c'est elle. Hein.
Malheureusement. Ouais, bah là, elle a une tête normale. Elle a une autre coiffure, c'est juste que... Théma, attends. Elle a une tête normale, là. Tu l'as envoyé où? Non, j'ai juste tapé Ashley Tisdale sur Google Images. Ok. Bah ouais, mais faut trouver un truc où elle a la même coiffure avec les cheveux en arrière. Elle a jamais cette coiffure, je pense elle qu'elle sait que ça lui va pas. En arrière. Elle sait que ça lui va pas. Elle savait très bien, je pense pas qu'elle était d'accord avec le modèle 3D du jeu. Je suis en train d'ailleurs de me dire que... On fait les choses en grand. Mais attends, je suis quasiment persuadé qu'en fait, Dark Pictures, ils savent tellement pas gérer les cheveux longs des personnages et leur physique qu'ils font des cheveux collés à tout le monde. On va vous attacher les cheveux parce que c'est chiant. Je suis en train de demander si j'ai déjà vu un personnage qui avait les cheveux détachés. Travaille-moi ces petits muscles. Et longs. Eh, viens me rejoindre. T'apprendras peut-être deux ou trois trucs. Plus tard, on a de la visite. Ouais, mademoiselle a peut-être envie de me voir. Non, je suis désolé, c'est la pire tête. Elle a besoin de retourner toutes les têtes. Oui, elle est bien. Je vois très bien d'ici. Merci. Regarde. Ignorez le caporal Merwin. Il est incapable de se tenir. Luchan, que sans ses lunettes trop classe, il a une tête de cul. Bah, il a une tête de connard déjà de base à cause de son attitude, alors je suppose que quand tu vas les retirer, imagine il a les yeux super rapprochés. Ouais, je pense qu'il y a un problème, il y a un truc qu'on ne montre pas. Du coup, il lui met des lunettes parce qu'ils ont raté sa tête. Rendez-vous là-bas, soldat. C'est quoi son problème? Nick va pas très fort ces temps-ci. On s'est retrouvé dans une fusillade il y a quelques semaines. Un civil s'est pris une balle, Nick l'a mal pris. Il est apte au service? C'est un grand garçon. Il est prêt. Eh ben, Joey, ils t'ont collé derrière un bureau? Tu veux que je les appelle? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai? Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites? Je suis votre supérieur! Comment il parle? Ouais, je trouve qu'il parle mal. Ouais, il parle mal, là. Colonel Eric King. Si je ne m'abuse, sous caporal, mon titre fait de moi votre commandant. Il se fout de moi? Oula! Je vais te niquer? Merde, il se fout pas de moi. Bah, lève-toi, garde à vous, là. Oh! Donne l'accès au site au colonel. Merde. Chef. Rompez. Si j'étais vous, je ne m'habituerais pas trop à ce bureau. Mais il est même pas au garde-à-vous. Sincèrement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. Rachel et moi, on se connaît bien. Elle sait que toute guerre mérite des sacrifices. Chef ? La reine-mère dont vous parlez s'avère être sa femme. On enchaîne les gaffes. Bien joué, Grelois. C'est de pire en pire cette équipe. Hein. On va devoir vaincre le démon Anubis avec ça. Hein. C'est terrible. Pitié, donnez-nous un personnage stylé, il n'y en a pas. En vrai, je vais être le personnage tortue, ce sera l'objectif de la sauver. Hein. On sauve la tortue jusqu'au bout. Chef, la tortue, c'est trop bâtard. Je ne savais pas que Rachel était mariée. Le travail nous a séparés cette année. Il y a une grenouille et une tortue, en fait. Alors c'est la reine-mère, maintenant. Elle est montée en grade? Bah, à vrai dire, pour nous, c'est un petit surnom affectueux. Bon, on va vous installer. J'espère que depuis le début, il n'y avait rien dans ma mallette, en fait. Je vous laisse gérer les trucs. Attends, mais elle est vide ou pas? C'est une blague? Non. Attends. Tu l'as ouvert en mode truc de ouf et elle est vide. Voilà les codes nucléaires, il n'y a rien du tout. Eh ben, vous avez Putain. Je crois que sa dame aimait se lâcher sur le dance floor. Ah, alors... Si sa partenaire lui marchait sur les pieds, il l'a... Je vais peut-être le lire puisque c'est le premier document. Ça me surprendrait pas. Résultat requis d'urgence. Tout l'or. C'est le terrain en charge, Rachel King. Le groupe d'enquête devenant opérationnel aujourd'hui, il est impératif de rappeler le caractère capital du succès de cette mission. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Avec la fin des hostilités. Je n'ai rien fait. Ouais, je te crois. Merci Sarah pour les 5 subs. Merci Sarah.
Colonel King. Ah, lui ont pas fait honneur, je suis désolé. Madame King. Madame King, il faudrait vous, Eric, vous détacher les cheveux pour voir un truc. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. D'accord, pas de problème. J'aurais dû te prévenir que j'avais avancé le briefing. C'est ma faute. Mais la situation s'est aggravée, j'ai dû agir vite. Mon devoir envers mon équipe est de rester toujours informé. Je comprends bien, Rachel, mais pas la bouche, les ordres de CENTCOM. Les ordres. C'est moi le commandant maintenant. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Crois-moi. Je regrette, Rachel. Permets-moi de douter de ta sincérité. On parle pas comme ça à son commandant? Ça vient du COS. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Eh ben merci Sarah qui a redonné 10 subs. Eh ben merci Sarah. Je vais devoir accéder à votre réseau. Sarah qui? Je vais vous connecter. Non. Sarah 4L. Stokes. Ah. Mais appelez-moi. Moins drôle que ce que je pense. Pas de van. Docteur Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose? J'ai pas compris la mission. 1500 heures, c'est quoi? C'est quoi ce truc? L'art moderne ou quoi? Ce sont des images du programme ultra secret Kellus. Et je suis censé savoir ce que c'est? Arrête de parler, arrête de couper la parole. C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Ils ont pas le droit d'être aussi ironiques avec leur supérieur. Briefing, non, non, je comprends pas. Où est le respect de la hiérarchie, là? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de Saddam. T'es foutu, espèce de salopard. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site. Les hostilités sont finies, mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays. Ils pourraient déployer ces armes à tout moment, il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Quand le lieu sera sécurisé, nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous, et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel? Je suis prêt. C'est un territoire tribal, là-bas, colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Des renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Qui écrit les dialogues? Quel est le plan? Un beauf. Non, appuyer à rien. Bah pourquoi pas, si on peut. Je vais demander aux renforts aériens. Merci Darkblade pour les 5 subs. J'attendais qu'ils arrêtent de parler. Les oiseaux peuvent voler sous les radars. Le site se trouve dans les monts Zagros propices aux couvertures. Pourquoi il y a eu des oiseaux? Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on vient de faire un choix décisif pour la suite du jeu, c'est pour ça. J'ai bien l'impression. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures. Oh, arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. On pourrait faire mourir juste les deux soldats. C'est qu'on se lève tous les matins. Les deux cons qui font des blagues là. Mesdames et messieurs. Lui. C'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêts dans une heure. Rompez. T'as vu derrière, ce qu'il y a écrit derrière le sac de celui de droite là? Maris, installons le matériel. On l'occupe. Il y a écrit fuck you. Voilà. Je sais pas, mec. Je le sens pas. Ouais. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Bon bah. Oh, chouchou, non. Un bon petit massage et ça ira mieux. Hein? Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose? Bah, je suis pas médecin. Ah, pardon, vous êtes pas malade. Je vais télécharger les dernières données satellites. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Merci, Clarisse. Oh. Eric,
Il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Je veux que tu saches. Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. Tu m'as manqué. Ah non, non, on va pas s'humilier. Ah non. Elle va nous dire qu'elle baise un autre, on va pas lui dire « Ah, tu m'as manqué. » Pas exagéré, non. Doucement. Tu sais pourquoi je bosse depuis des années. Merci Sarah pour les 5 subs, encore. C'est le ça. Mais on pourrait la faire culpabiliser. L'opportunité qu'on attendait. Ça, on fait de... Ah oui, c'est vrai. Super gentil. Après, elle a pas culpabilisé, ça fait seulement que tout redevienne comme avant. Oh là. Comme avant. Eh ben, je me suis un peu humilié tout seul, finalement, quand même. C'est pas génial entre nous. On a connu pire. Oh non, il veut la reconquérir. Oh la galère. Rien n'a changé, Eric. Mon cou fait toujours 3 mètres. Toi et moi. Tu me requitteras. Il n'y a plus de toi et moi, c'est fini. Rachel, je t'en prie. Dis pas ça. Tu ne portes plus ton alliance ? Normal, vous êtes quitté il y a un an, connard. Il est fou, lui. Hey, allez-y doucement. Oh merde, pardon. Vous avez quoi dans votre mallette magique ? Rien. On a vu, il n'y a rien. C'est quoi ce C'est faux. Une lampe à UV. Ça permet de chercher les explosifs. J'aimerais essayer. Non. Le téléchargement va être long, Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes, c'est assez rapide pour vous ? C'est bon, ça télécharge. Bien, je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez signer ce 1348 ? Hein ? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Tu vérifies le matos ? Et plutôt deux fois qu'une. Ouais, j'ai compris. Oh, il a gardé son alliance. La honte. Je le trouve insupportable. Et peut-être que pour lui, c'était une pause. Ouais. Ah, d'accord. Des cartouches de phosphore blanc. Bon, je savais pas ce que c'était. C'est bien ce que je crois. Des gros suppositoires. Du bébé, chef. Ah non. Du phosphore blanc ? Du phosphore blanc. C'est pour faire de la fumée, c'est tout. Je me rends compte que c'était effrayant que ça, parce que c'était ça. Couverture. Ouais, pourquoi tu sais ça ? C'est compris ? Parce que je sais à quoi c'est ça ressemble les cartouches que t'éjectes avec le lance-grenade. Tout, c'est Saddam qui bafoue la convention sur les armes. Pas nous. On l'a déjà vu, mais... Ouais. Bon, alors, j'ai rien compris au plan. Hein. Qui siffle ? Parce qu'il t'énerve ? Ouais. C'est toi qui siffle ? Vous croyez qu'on va trouver Ali le chimique sur ce site ? S'il est dans les parages, on le coincera. Le risque en vaut presque le coup. Presque ? Bah, en fait, je préférerais quand même être derrière un bureau. Si ça tourne mal, on pourra au moins compter sur les renforts aériens. Je suis sûr qu'on n'en arrivera pas là. Vous semblez confiant. Vous semblez surpris. Ça, c'est de l'interaction. Putain, je m'endors. Je m'endors du début du jeu, putain. Je suis dans un état second, là. Je te jure. Mais qu'on aille dans cette pyramide là. Ouais, genre j'ai juste. Waouh. À quoi ça va nous servir tous ces machins ? Faut qu'on soit mobile. Il faut qu'on soit paré. C'est un entrepôt souterrain, peut-être en cours de construction. C'est plus sûr comme N'oublie ça. N'oublie pas que c'est le meilleur des de tous les Dark Pictures. Si ah, pour l'instant, c'est vraiment celui qui me fait le plus chier. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, hein, c'est pas de problème. Mais après, je pense que dans la pyramide, c'est un banger. Dites-moi, caporal, vous avez le vertige ? Hé, vous m'insultez, là. Je suis formé au saut en parachute, avec ouverture à basse altitude. J'ai bossé dans des conditions où la plupart des mecs auraient appelé leur mère. Quel joli palmarès. J'espère que vous n'êtes pas qu'une grande gueule. N'hésitez pas, putain de gratte-papier. Eh ben comment on parle de juste à côté, lui, hein ? Lui,
Ouais. Faut qu'il fasse bien attention. Tu vois, chaque toi, fois, je le fais premier que tu veux, on doit te sauver, on va lâcher la manette. Je fais monter mon autorité avec lui parce qu'il est complètement malade, lui. Hein. Puis l'autre qui est ici, pourquoi faire ça? Tiens, tiens, Georgie, comment va-t-il? Georgie. Georgie. Bien au chaud sur son siège. Bon, on a fait un bon tour, hein. C'est quoi l'objectif? Attendre le téléchargement. Parler à l'équipe. Inspecter la salle de briefing. Bon, bah. Vas-y, attends. Salut les gars, ça va? Non, il parle. Il fait du RP, il parle littéralement au mec. Ah. Oui, bah, c'est des phosphores blancs, quoi. Phosphores blancs. Mais cette fois-ci. Fais-leur une blague. Tu la décapsules et tu la lances en disant. Eh, attrape! Tu dois peut-être faire toutes les interactions, mais là j'ai l'impression que t'as fait le tour quand même. Ça je l'ai fait. Donc juste un mec à qui je dois parler là. Ah ça je l'ai fait. Ah non j'ai pas fait mais... Oh. Disparition de deux travailleurs humanitaires. Yves Pogam et Marie Vinet. C'est retenu. Ah, ils sont morts, ils sont dépouillés et tués. Déjà lu. Et le téléchargement alors, est-ce qu'il serait pas terminé? Et où est-ce qu'on le voit le téléchargement? J'aimerais vraiment me tenir au courant. C'est de l'avancée. Qui est très très laide, elle est où? J'aimerais me tenir au courant de l'avancée de ce téléchargement. C'est téléchargé. On va aux hélicos. Il était temps. Oh la fine équipe. Alors, il n'y en a pas un que j'aime bien. Moi non plus. Lui, peut-être, il est assez neutre pour l'instant. T'en penses quoi de cette... Il a quand même justifié le colonel. Non, je te parle de lui là. Jason. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça va. Il a rien de spécial. Ça sert à rien. Et toi, t'en penses quoi? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Bon bah sauvons Jason alors. Décimons tout le reste. Allez, ça me va. Ils sont bien faits les personnages qui sifflent. Zane, Anakin, Zane. Ok. Zayn est un bon élève. Zayn est dans sa chambre à l'étage. Problème. Il n'y a pas Zayn est tombé dans l'addiction de la drogue. Tu penses? Oh oui. Regarde, voilà. C'est Zayn et son père. Oh là, il a le visage complètement déformé quand oh est-ce la que vache, ça a commencé cette addiction. C'est un... Ah la vache. Ah la mère aussi. Ah ils sont tous horribles. Il a vu sa tête dans la photo, il a cassé le cadre. Ah. Ways, are we? Oui. Où est Zayn? Zayn, tu es où? Dans le frigo? Non. Au bout du couloir, ah. Probablement. Attends, tâche.
Bon, Zane, il faut qu'on parle. Zane. Comment ça va avec les filles? Tu es un homme maintenant. Tu aimes les filles, Zane, hein? Tu ne descends pas ton père. Oh non, il a laissé une lettre. Non, pas ça. Non, ça c'est ce qu'il étudie. Pour l'instant, R.A.S. Ouais, ouais, ça c'est une... Il essaie de nous faire voir ce qu'il veut. Où sont les livres de cul et le reste? Sous le lit, bah évidemment. La Mésopotamie, mon cul, ouais. Voyons voir. Oh non, il a volé. Des bijoux. Zane. Ah, ben. Allô, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. طبعاً. رجعت؟ أي رجعت. هو زين مع... مع... هو زين مع ابنك؟ طارق. أيوة طارق. هما مع بعض. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tu as raison. On va pas l'impliquer dans l'histoire. Tu ne l'enverras jamais. Oh non, la garnison qui vient de chercher. Eh ouais, il leur verra jamais. Bye bye, Zin. Le gars qui s'est pas prononcé. Je suis là. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد يلا شوف جايين علينا اقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيرتهم c'est comme on dit ils arrivent en arabe j'ai écouté c'est شوف je crois تمام يا فندم non c'est pas ça j'attends que les arabes confirment non. Bah c'est lui pas qui l'a dit, hein. C'est pas moi qui me trompe, c'est lui qui s'est trompé. Hein. Ça veut dire regarde. Ouais parce que pour moi chouf, c'est quand tu regardes. Pour toi, moi j'en sais rien, je parle pas arabe, qu'est-ce que... T'as jamais entendu dire chouf? Non. Bien reçu, terminé. Rendez-vous de l'autre côté. Attention, passage immédiat au silence radio. Terminé. Vous êtes prêts, les gars? On va pas tarder. Hé, Merwin, la mer est triangle des Bermudes ou un point commun? J'ai hâte de savoir lequel. Elles ont toutes les deux disparu. Les deux à Val des Marines. Ok. Pas loin. Ouais, elle est pas mal, tu vois. J'en ai une. Ta mère est tellement crade. Bon, on va s'écraser un hélico, du coup je me prépare pour le QTE. Putain, tu l'as gardé depuis longtemps? Ouais, ça fait rire. J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur... Eh, les dialogues, ils sont nazes. C'est nul, ce que j'ai dit à ta mère, non? Nul. C'est dans mon plumard. Quoi, votre mère laisse entrer les femmes dans votre chambre? Oh, faudrait pas la rendre. Les blagues de Marines, là. Hé, pourquoi vous rigolez tous? Sergent Kay. Et pourquoi ils parlent comme ça? Avec le PC des SDC1 toutes les 4 heures. Sergent Kay. Les blagues de Patrick l'étoile de mer? Ou les blagues de. Ou sans fascisme? Patrick, tous les jours. Ça va, mon pote? Hé, ça va? Ouais, ça roule.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, lui, il a un background. Hein. Il est sensible. Il y a des trucs qui me prennent la tête, mec. Bah, il est amoureux. Ouais, et il se rend compte qu'en fin de compte, c'était juste une relation pansement. Curiosité, hein, j'ai rappelé jusque là. Je suis là pour toi, Nick. Quoi qu'il arrive. T'es mon bro. Tu sais, mec. Ne l'oublie pas. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. C'est quoi? Une devise de Boy Scout? Un truc de Maritz. Ça veut dire toujours fidèle. Et donc, ça porte bonheur? T'as les yeux un peu rouges. Il y a plein de superstitions chez les Marines. Elle a le quoi? Des yeux hyper rouges. Par exemple. Elle est défoncée là. Il faut jamais se tromper pour descendre un hélico. Sinon, on maudit l'équipage. Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Et vous avez peut-être raison. Ah, ils ont tous les deux des visages horribles. Il faut comprendre le risque. Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat, c'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller, les gars? C'est pour ça qu'on nous a envoyés ici, et vous pouvez me faire confiance, on va réussir. Ça, tu l'as dit, mon pote. Ouah ! Hourah ! Ouah, le chat ! Ouah ! Un peu d'énergie, s'il vous plaît. Bulia ! C'est pas la ref. Bon. Le Lennon. Ah, pardon. Comment il m'a appelé, hein? Je croyais qu'il allait faire une blague sur sa mère encore. L'hélicoptère est aussi gros que ta mère. L'américaine. Elle a massacré l'américaine Gob. Chef, on est repéré. J'attends vos ordres. Oh là. Non, non, on se disperse. Ouais, il est pas venu pour ça. On se disperse et on attend. On va les baratiner un peu. Avant de les tuer, ok. On va sortir de là avec aucune perte. D'un côté comme de l'autre, on va juste discuter. On va discuter. Tranquille. Derrière le dos. Ah, sous le moment, s'ils vont trouver des armes de destruction massive, du coup, dans cette petite maison citoyenne. Sécurisé. Les prisonniers coopèrent. Bien sûr. Le caporal Merwin disperse de la fumée jaune sur la ZA et ramenez le colonel. Eh ben, c'était tendu, mais on a réussi, hein, putain. Putain, elle opération de malade. Ça, on a foutu plein les yeux, hein. Oh, l'adrénaline. Lieutenant Kolchek, votre rapport, s'il vous plaît. Aucun tir, chef. Aucun blessé. Ferme sécurisée, on s'occupe des prisonniers. Des prisonniers? Vous avez repéré une entrée du silo souterrain? Négatif, chef. Si on a une, c'est qu'elle est bien cachée. S'il y en a une? Qu'est-ce que ça veut dire, lieutenant? On doit encore faire une inspection complète. On le trouvera, chef. Vous avez pris un risque en négligeant l'effet de surprise, lieutenant. Et on dirait que ça a payé. Pas de blessés et un travail propre. Merci, chef. Mais maintenant, les poches de résistance irakiennes doivent être en alerte. Mon équipe est parée à tout, colonel. Ça s'est bien passé. Ah bon? Ce lieu est plus sécurisé que le sleeping pit. Inutile de finir ça. Ouais, bah, ça va, ça va. Eh, hey, toi? On lance l'interrogatoire?
Ouais, on va te tuer volontairement. Je vais faire un TK, hein. On ouvre l'œil. Si l'un de ces gars s'avise de faire le moindre geste, je veux être au courant. C'est compris. Je sais pas pour vous, les gars, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ah ouais? Est-ce que ça serait pas la légendaire intuition? Allez! Ouais, vous voulez voir ce qui arrive quand on s'en moque? Il n'a vraiment... Ils font chier, les wolves, vous trouvez pas? Franchement, il a aucun... aucune qualité, rien d'attachant. Ils veulent vraiment qu'on ait envie de le tuer. Il faut équilibrer ses personnages quand même, faut pas faire que des trucs détestables. Assalamu alaikum ya akhi. Lazim as'al as-su'al wa lazim t'oul al-haqiqa. Fin madkhal maghzan as-silah. Noirceur. Je vais le faire parler. Attendez. Je m'en occupe. C'est un vieux fermier là, il a rien demandé. Hasalak marra tanya. Fin makan al-maghzan. C'est quoi ce truc? Une espèce de totem. Certainement païen. Ida. Hatarafu Urayim. Saloperie de magie vaudou. L'américain. Le beauf de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Intukam hena. Mais il est débile ou quoi? Comment il a réussi à se blesser avec ça? C'est juste des petits bâtons qu'on lui a fait pour se couper. Il est bête ou quoi? Bon, ça suffit comme ça. Caporal, surveillez les prisonniers. Exécution. Interrogez les bergers. Alors? Un peu de torture peut-être. Oh, oui, c'est une technique qui a été utilisée pendant la guerre en Irak. Dis-moi où se trouve le silo. Il avait une arme, madame. Tout le monde est armé dans ce pays. Comme dans un autre pays. J'avoue, contre son camp. Le culot. Putain, mais tous les citoyens ont une putain d'arme. Il avait une arme, c'est un malade. Il est fou. Oh. Ah, non. T'es pas obligé. Non. T'es pas obligé. Pas besoin. Par contre, tu peux le foutre à elle. La bavure. Oui, je peux la tuer. Après, t'as craché dessus quand même. Hein. Oui, c'est sale. Il y a d'autres prisonniers. Vous n'avez pas encore le Covid, donc ouais, c'est ok. Dans l'autre cabane. Suivez-moi. Ne le quittez pas des yeux. Qui siffle? Qui siffle? Dénoncez-vous! C'est toujours le même sifflement en plus, mais j'en peux plus, hein. C'est toi? C'est qui? J'en ai marre. Vous inspectiez toute la ferme et fouillez bien tous les recoins. Regardez ce chapelet. Pas mal son tracteur quand même. Il faudrait quand même le nettoyer un petit peu. Sympa. Un petit coup de polish. Ouais. Ça fera pas de mal. Que dalle ici. Une remarque à faire, sergent? Non, je boude. Tu vois quoi? Que dalle. S'il y avait un silo, où sont les traces? On est juste en train de tâter le terrain. Son précieux Kélus raconte n'importe quoi. Il faut suivre les ordres, sergent. Un rageux, lui. La mission n'est pas terminée. Compris, chef. Bah, il l'aime pas parce qu'il est jaloux, tout simplement. Ouais. Mais Jason, il a rien fait. Ici, il y a des masques à gaz. L'homme au masque à gaz, lol.
Putain, qui a la ref, la super ref. Technique dans le chat. Y'a des Wonky fans encore réveillés? لول انا بشخص الحكومه الامريكيه انت في موقف صعب جدا مهم انك تقول الحقيقه après ils veulent pas parler c'est louche مدخل المغزى ouais vous cachez un truc qu'est-ce que tu caches sous ton bandana oh quelle intuition la vache il a deviné d'un coup. De l'héroïne. Tout le monde a le droit de se faire un petit plaisir. Y a rien c'est pour de... ma consommation personnelle. Fouillez-moi tout ça de fond en comble. Quoi, vous n'avez jamais touché à un joint? Oh là, bah. Il va y avoir quelques lignes en plus sur le rapport. Oh putain. Ah lui c'est pas grave. Voilà. Oui l'autre, celui qui... Ah lui, il faut qu'il prenne une blague, une vanne. Une balle. Une vanne, prends-toi une vanne. Mec, ah, ta mère est tellement grosse. T'as vu ce qui s'est passé? J'ai dit quoi? Une balle, après j'ai dit une blague, et après j'ai dit une vanne. Alors qu'au début, je voulais vraiment dire une balle, quoi. Tout est corrigé. Ouais, je suis corrigé, mais pas de la même manière. Ils sont sur la crête, on les allume. Allez. Alors, il y en a un là. Ok, là. J'ai littéralement visé un caillou, mais... Non ! Merde ! Ah, c'est pas celui qui faisait des vannes, lui ? Oh bah j'espère vraiment, mais je suis pas sûr. Ça expliquerait pourquoi ils l'ont rendu si insupportable ? Ah non, c'est lui... Ah non, il est là. Aïe, il prend aucune balle, hein. C'est pas passé loin. Et en plus, il est content. Ouais, il adore ça. Un peu, hein. Rachel ! Où tu es ? Rachel ! Bah ils sont pas bien nombreux hein. Putain, connard. Mais ils sont hyper exposés. Bah la couverture existe pas là. Y'a peu de tactique là. Je vous attends, bande d'enfoirés. Boum. Avance les ordures, on peut se faire blanc. On peut pas l'utiliser contre des gens. Oh putain, tu préfères. Il est super ce jeu de guerre. C'est plus un jeu d'horreur. C'est ni un jeu d'horreur, ni un jeu dans la pyramide. On sera sur envoi une pyramide du coup. Permission d'utiliser le phosphore. Oh, tu as été un malade, crime de guerre, c'est doucement. C'est des conventions de Genève, c'est interdit hein. Vous me couvrez, je vais récupérer Joey. C'est hyper imprudent. Ouais, mais on laisse pas un collègue. C'est vrai. Pop. Je l'ai touché. Oh non, il avait la tête hein. Je l'ai touché. Je suis pas récompensé. Oh non, il veut faire comme le patron. Oh là! Bah, c'est du phosphore là, non? Bah, là, je voulais pas, j'avais dit non! Waouh! Oh, alors là, par contre, c'était trop stylé! Mais quelle technique! Respect! Je crois que je vais crever, Nick! C'est une technique homologuée, ça? Je sais que ça fait mal, mais tu vas pas crever! Doudou, du calme! C'est une petite égratignure! Ne bouge pas! Menteur! Dernière blague avant de mourir. Lui il en faisait pas trop. Ah il t'a pas sauvé hein. Dis une prière mon pote. Vous attendez, bouchez, ripostez. Nom d'un chien. Attention, ici dropkick, silence levé. Je peux avoir un rapport sur le contact, terminé. Ah, compris. Ici Killjoy 2, on est pour cibler, on va se cracher. Les cibles sont dans la zone d'atterrissage. Ce seront ses derniers mots. Ça va s'arrêter où?
Wow, wow. Et on l'a trouvé le silo. Couche-toi par terre tout de suite ou je te jure, je te colle une balle dans la tête. C'était qu'un fermier, il n'a rien demandé. Un fermier qui cultive quoi? De l'héroïne, messieurs dames. Alors on tire. C'est de la drogue dure. C'est grave. Il avait une famille, oui, mais il avait aussi de la drogue. Ah, je reprends la manette. Je ne veux plus tuer. Moi si. Oh, oh. Les trous étaient pas si grands, c'est dommage, ils sont tombés dedans. Les probas étaient faibles, hein. Ah, c'est, il y avait très peu de chances pour qu'ils tombent tous dans les trous. Derrière ça, il y a un objet secret. Alors, si tu comptes faire tous les objets secrets du jeu... T'occupe. Quand on trouvera une prédiction qui sauvera notre perso... Jason. Ça n'a jamais marché. Jason. Je suis là, vieux. C'est vrai que ça empêche jamais de se faire tuer. C'est juste qu'on voit la scène. On voit que ça va arriver, c'est tout. Putain, mais... Il y avait une... Vite, en fait, c'est un spoiler. Il y avait une grosse jambe. Ouais. C'était ni plus ni moins que la jambe du démon d'il y a 2000 ans. Oui. Enfin non. D'il y a plus de 3000 ans. D'il y a plus de 4000 ans. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez? Faire bouffer la gueule. C'est quoi cet endroit? Oh, c'est superbe, hein. Moi j'adorerais, tu te rends compte, je me dirais que je suis le premier homme depuis des milliers d'années à fouler ces terres. Superbe. C'est quoi, Nick? Bah, ça se voit. Tu parles d'un patelin. Mais bordel, où est-ce qu'on a encore atterri? Faut remonter à la surface, retrouver le reste de l'équipe et demander une médévac. On se trouve pas dans une cache d'armes là, mais on peut pas dire que ça manque d'Irakiens. Nick? Sergent Kay, il faut te ressaisir. Allez! J'ai vu quelque chose, bon, quand même. Faut quand même prévenir, je dirais. Ouais. J'ai vu un truc. Comment ça, t'as vu un truc? C'était pas un humain. Dans le tunnel. J'aurais jamais dû quitter l'hélico. Putain, je savais que t'étais pas encore prêt. Mais nom de Dieu! Pas la peine de mêler Dieu à toutes ces conneries.
Maintenant, t'as intérêt à fermer ta gueule. T'as intérêt à te ressaisir immédiatement ou on va se faire buter tous les deux. C'est pas des conneries. Stop, c'est terminé, sergent. T'as vu que dalle. Oh, ils ont coupé sa phrase. J'ai peur. Il y a un truc qui cloche. Je sais que tu le sens. Ce que je sens pour le moment, c'est que tu commences à me les briser. Sa peur se traduit par de l'agressivité. Mais il a peur. Il a tout aussi peur. T'avais déjà vu un truc pareil ? C'est quoi cet endroit ? Je sais pas. J'ai une buse en histoire. Ah, ces maudites portes, hein. Lourd que prévu. Aide-moi. Ah, toujours le problème, ils étaient un peu cons, hein. Verrou top, mais alors les portes... Faut être 4, quoi, hein. C'est... Oh. Y'a pas idée de faire des portes aussi grosses et lourdes. C'est Merwin. Oh, me dis pas que c'est... C'est lui qui fait des blagues. Bon sang, je fais de mon mieux. Arrêtez un peu de chicoter aussi. Je crois que c'est lui. Il perd trop de sang. Il faut qu'on l'exfiltre plus vite. Tiens bon, mon pote. On est là. Nick, mais regardez-le comme une piñata, tous. Toi, c'est câble. Il t'a mis des coups de pied. Ouais, vous avez raison, découpez-le comme une vieille truie. Égorgez-le. C'est moche, là, il est foutu. Ouais, il est foutu, laissez-le. T'as conscience que je t'entends? Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. Il y a morphine dans mon sac. Prends-la. C'est l'histoire d'une pute. D'un homo et d'un juif. Regarde. Dans ces derniers instants. Qui a préparé ces sacs? Je perds plus de sang que ta de bien quand t'as la circonstruction. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Clarisse, oh, là par contre. Bah, donnez l'asiatique à bouffer aux créatures. Hein. C'est bien parce que tout le monde va être d'accord. Il y aura pas de mais non, toi imaginez, il y a rien. voilà, il y a quelque chose. Qui s'est fait emmener? J'ai pas vu. Bah, la gonzesse, j'ai l'impression que c'est la gonzesse. Hein. Ok. Elle s'est fait aspirer d'un coup. Trop de sang, faut arrêter l'hémorragie. Merde. Ah, t'as quand même essayé de le sauver, hein. Tu veux la bien son coup, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'es pas obligé, hein. Vous voulez que je le tue? On va pas se mentir. Oh, ok. C'est pas joli du tout. Je sais pas ce qui rôde, mais les attire. Il s'agit de trop. Pas de fuite de morphine. Ah, le chat veut pas que je le tue. Ah bon? Trop tard, le chat. Bon, allez, c'est bon, j'ai pitié. C'est bon. Puis là, il fait du bruit, il va tous nous tuer en fait. De toute façon. Pour l'instant, on peut mourir avec lui et j'aime pas ça. Tu vas me tuer. On va mourir à cause de lui, hein. Mais doucement. Il va nous faire des blagues au paradis. La morphine commence à agir. On se bouge. C'est superbe, hein. C'est superbe. Ça va un peu faire un parallèle avec l'histoire du début. Deux ennemis qui vont s'associer face à un ennemi commun. Waouh. Et la morale, c'est que bah, les deux étaient morts du coup. Ah ouais, c'est vrai. Captain! Zift!
دار إذا قدرت تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول أخس كان عندي مشاريع النهاردة استحمى اسمع موسيقى في عيد ميلاد ابني بس لا دق على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي انا ما عارف انا فين في حد موجود هنا Salim est le seul que j'ai envie de protéger puisqu'il doit revoir son enfant. Pour l'engueuler. Ouais. J'ai envie que l'enfant il prenne une belle rouste. Il est capable de voler. Ah. Traces de sang. Ouais. C'est pas quelque chose que je ferais. Bah c'est pas logique. Tu vois. C'est pas logique. Oh, on a plus notre fusil. Moi je pense qu'il faut pas y aller. Non. Oh. Oh. Bah, c'est clair que dalle ta merde. Ton briquet là tu ferais mieux de le ranger. Il y a des petits recoins à chaque fois. J'ai peur. Allô. Ils l'ont vraiment traduit par allô. Tu te souviens pas quand on avait regardé si. The Grudge. Si si. Allô. Je crois que c'était traduction ouais, un doublage québécois. Je sais plus. Et ils arrêtaient pas de faire elle... allô. Je m'en souviens, elle rentre dans la maison et pendant une seconde elle fait allô. Putain, ça remonte ça quand même. Hein. Oh. Pour le coup, on devait vraiment avoir, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça. Oh ouais. Le pistolet. Bon, le pistolet. Ah. Non, mais... ferme quand même, elle a plus de force que nous, mais bon. Ah bah non, mais ça servira à rien devant toi. Ah si. Eh merde. Mauvais choix. Cours. Vas-y Salim, tire. La tête. Bam, bam, bam. Maintenant cours. Hop là. Salim, Salim, tu t'inquiètes pas, j'ai les mains moites. Je suis un peu... je suis pas à l'aise. Je pense que c'est pas le dialogue qui va arranger la situation. C'est pas... Ah, elle va être écrasée par une grosse pierre. Et hop, problème. Ah, plus qu'une pierre, un camion. Ouais. Elle va propulser le camion en l'air car cette créature est surpuissante.
Peut-être pas tout de suite. Il est mort de rire. Je sais pas si je serais mort de rire à sa place. Je suis pas sûr. On dirait bien que tout va s'effondrer. Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. T'as vu le sergent Kay et Kotchek? La dernière fois, ils étaient ensemble. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui brouille le signal. C'est peut-être une autre issue. Je sais pas. C'est la seule solution. Allez, vite. Mousqueton, extenseur, corde, lampe. Merde. Ok. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Une jolie chute vers l'inconnu. On a une corde. Moi, ce que je comprends pas, c'est que au moment où ils sont tombés regarde, dans le trou, il y a un courant d'air. J'aurais jamais eu l'idée de m'enfoncer encore plus. Je me dirais juste, faisons tout pour rester près de ce trou pour remonter. Depuis quand tu fumes, toi? C'est vrai que c'est l'issue la plus proche. Et probablement que des secours vont venir. Je l'ai pris comme ça. Jamais je me serais enfoncé de plus en plus loin. Je pense qu'il n'y a pas 1000 portes d'entrée au truc, quoi. T'es paré? S'ils partent tous les deux en XP, je sens qu'à un moment donné, elle va lui dire « J'ai baisé avec quelqu'un d'autre. » Et lui, il va la pousser dans le vide. J'ai baisé avec Nick. Et se jeter lui-même. Hop. Cet endroit n'a vraiment rien d'une cache d'armes. S'il n'y a rien ici, pourquoi on nous a attaqués? Parce que c'est la guerre. Les gens ont tendance à se flinguer. C'est pas faux. On va dire qu'on est en train de passer un bon moment. Toi et moi, on n'a jamais eu la même notion des bons moments. Oh. Ouais, mais non, mais faut faire une croix sur cette relation, mon gars. Elle a vraiment pas envie, hein. Ça te rappelle pas le bon vieux temps? Oh, mais tu fais pitié! Tu sais quoi? Eh ben moi je vais à droite! Je vais à droite! Voilà! J'aurais peut-être pas dû aller à droite. Oh! Une tablette! Ça, tiens. Un archer? Une flèche? Alors. Ok. Il faut surtout pas qu'elle lui avoue qu'elle a baisé avec quelqu'un. On va éviter le sujet. J'ai l'impression que c'est... Elle était accrochée à une corde. Ouais, et elle a la corde, elle a lâché la corde parce qu'elle s'y attendait pas. Oh, des écritures anciennes, c'est hyper important. T'as un bâtard. Tout le monde voulait voir. Putain, je me demande vraiment ce qu'il y avait écrit, putain. C'est passionnant. Ça se trouve, c'était un tableau périodique des éléments, ils étaient en avance sur leur temps. Ouais, ils avaient genre 3 éléments. Pas mal. Loser. Vous savez combien on en a à nous? Quatre packs légendaires? Pardon? Eh ben... Bah dis donc. Mais... C'est du plus loin que du recel, l'assumer, là. C'est incroyable. Ça stable. Ouais, ça allait. Tu vas faire avec ces objets x4? Hein? Sois honnête. Quatre packs légendaires et sept packs communs. Oh, Julien. Dis la vérité, Julien. Bizarre.
J'aime bien quand tu me tiens comme ça. Ça me rappelle le bon vieux temps. Et toi, t'es bien le bon vieux temps? Ah, ça c'est aussi probablement examiner des écritures anciennes. Quand t'es parti, j'ai dû me faire à la pression. Ah, ça c'est une relique hyper importante. T'es vraiment un chien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un truc. Même en ruine, cet endroit est vraiment unique. Allez, je vous accorde celle-ci. Oh, c'est un piaf. Voilà. C'est pas Zouzou. C'est pas Zouzou. Bazouzou, pardon. C'est mon Bazouzou. Bazou quoi? Bazouzou. Bazouzou. Tu regardes pas de films d'horreur? Ton bec gala, quoi. C'est un démon sumérien. C'est une métaphore, c'est ton... Vidéos, c'est ton Bazouzou, quoi. Les démons. Cool. Cool, dis ce qu'il nous faut. Des coups de feu. D'où ça peut venir? J'ai pas entendu de coup de feu. Moi non plus. Faut qu'on se bouge. Est-ce que tu vois quelque chose? Arrêtez de vous tenir sur le bord comme ça, hein. Vous allez tomber. C'est... Oula. Profond. Tu crois que c'est risqué? On n'a pas le choix. Oui. Prends la corde. Ah, la corde! Alors là, faudra faire très gaffe, j'imagine. Ah non, c'est une cinématique. Peut-être pas là, autre, ça veut dire. Ce sera une autre corde. On va s'enfoncer encore plus profondément. Imagine creuser si profondément, tout construire pour célébrer. Je suis en train de me dire, quelle civilisation pouvait faire ça? Pour célébrer le Bazouzou. C'est sûrement ça que Pélus a détecté. Ça devait être sacrément important le Bazouzou pour tout ça à l'époque. Elle regrette. Désolée pour toi. Vraiment. T'as bossé dur pour ces recherches. Tu n'imagines même pas. Faut pas t'en vouloir. J'ai fait penser à ce streamer américain. Explorer toutes les options. Lui, là? Ouais. Et j'étais sûr que c'était bon. Un streamer américain? Je sais ce que ça représentait pour toi. Ouais. Lequel? Je suis désolé. L'autre. Ludwig. On a fait des erreurs tous les deux. Mais oui, on a fait des erreurs tous les deux. On va pas s'embrouiller. J'ai merdé, moi aussi. Ludwig, il est quand même... C'est quoi ce bruit? Un air. Tranquille. Un affaissement? À cause des répliques? Moi j'aurais le truc qui me faisait penser à l'acteur qui fait double face. On dirait du... Ah ouais? Matériel archéologique. Ouais. Voilà ce que tu veux dire. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces lampes pourront nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. Tu crois que ça marche encore? J'en suis sûr. Faut du carburant. On doit en trouver. Tu crois que c'est... On saura jamais ce qu'il croit. Ange. Anse. Maintenance. Où que tu sois, Nick. J'espère que ça va. Eric, regarde ça. Une mitrailleuse de la Première Guerre mondiale. C'est un modèle de la Deuxième Guerre. Oups. Ça correspond à l'époque des archéologues. Oupsie. Putain, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, ils ont tiré avec. En gros. J'espère qu'on va pouvoir le démarrer. À toutes les unités ici, King. Quelqu'un me reçoit? Terminé. Qui est-ce qu'il pouvait affronter? Alors, j'ai des experts de guerre qui apparemment j'ai raison. Hein. Ah, tiens. Merde, un sacré tas de feux d'artifice. Ici, on sait ce qui s'est passé. Vous me recevez? Terminé. Ils ont eux aussi réveillé le démon et ils ont voulu l'enterrer une bonne fois pour toutes, mais ça s'est pas passé comme prévu. Tout le monde est mort. Ouais. Et ils ont été emmenés dans un tombeau. Ah bon? Ou manger. Ah, c'est la salle du trône! Ah, c'était le début qui était là avec le roi! Le roi! Assieds-toi dessus, il y a un. Ah, on peut pas. Je peux pas. J'aimerais bien. On ne t'écoute pas. Je comprends pas comment j'ai pu autant me planter. Il parle de sa relation. Tout le monde l'entend, c'est très gênant. Mmh. C'est privé. Comment un site aussi vaste a-t-il pu rester caché aussi longtemps? Tiens, tiens, tiens. Ha! Ça parle d'écolocalisation. Aveugle. Utilise l'écolocalisation pour chasser. C'est quoi? Peau extrêmement résistante au traumatisme physique. Des caractéristiques. Capacité de vol sommaire. Je sais pas quoi en penser. Salive. Hiberne. Donc ils crachent de l'acide, ils volent, mais ils voient que dalle. Comment s'en sortent les autres? Par contre, ils ont une très bonne ouïe. C'est des durs. Ça en fait de l'info. Je me fais aucun souci. Ils tiendront le coup. Attention, ça brûle! Je sais pas ce qui s'est passé. On doit absolument allumer ces lampes. J'y vois que dalle. Peut-être qu'on aurait dû escalader pour sortir de la caverne. À mon avis, si ah, sans déconner! Avant nous, c'est possible, hein? La conne! Ça aurait pu être bien, je pense, hein. Et donc là, on s'en va. Donc cette pièce, elle a servi à rien. Ça fait chier, là! On va suivre le fil? Elle voulait qu'on allume les lampes, mais enfin. Allumer les lampes. On allume les lampes, hein. Oh, tu m'emmerdes. Bien. Oh, dit. C'est loin. Pour aller à l'autre bout de la pièce, là, je vais mettre genre. 5 minutes. En fait, faut que tu trouves de l'essence pour le générateur, mais. Bah ouais. Où? D'ailleurs, une station-service pas loin. Du point de vue défensif, ce lieu a de bons points d'étranglement. Mais il est vulnérable. Peut-être qu'ils étaient pressés. On ne sait rien de leurs conditions de travail. Et bla et bla, et bla bla bla, la malédiction bla, bla, d'Akkad, dans l'histoire d'origine. Ce temple était destiné, ce à, temple apaiser était destiné à apaiser les dieux. Tiens. C'est tout? On le garde avec nous? On peut le prendre? Parce que si vous nous montrez juste ça, on s'en fout. Ah, c'est bon, on le garde. Prends ça, merci. Des jerrycans. Bingo. Eric, viens m'aider avec ces bidons. La chance a fini par revenir. Ça va, ta jambe? Quoi? Oh, tu parles de ma prothèse. Ma jambe, elle est restée sur l'autoroute. Oh. Arrête.
Lui aussi, il a un background. Oh, elle lui a coupé sa jambe. Je pense pas directement. Je reconnais. Si, elle a mal conduit. Tu es pour rien dans l'accident. Allez. Si, elle y est pour quelque chose. Malgré ça, il est encore amoureux d'elle. Il est tocard. Ouais. Éclaire le réservoir. Oh merde. C'est le scotch. Faut mettre du scotch. C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable. Faut resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Il y a forcément de quoi le réparer. Oui. C'est déjà sur moi en fait. On a une idée. Tu t'en sors ? T'inquiète. Ce que t'as dit à la base, tu te trompais. Je me trompe. T'es lourd dingue. Tu insistes. Rien n'avait changé entre nous. C'est quand même un sujet très secondaire. Moi, j'ai changé. Pendant tout ce temps passé loin l'un de l'autre, je ne pensais qu'à toi. Oh. Tu vois pas qu'elle t'aime pas ? Tu ne ressens pas la même chose ? Même un peu ? Non. Non ! Non ! Je pensais ce que j'ai dit. Après, n'oublie pas qu'il va te jeter du haut d'une falaise. Ah merde ! Il va couper la corde ! Ouais. Merde ! Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Mais on s'en fout, puisque... Et moi, c'est ce que je ressens. Bah ouais. C'est un malade, lui, hein. Tiens-moi ce tuyau. Elle lui a bousillé la jambe et elle lui chie dessus. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Tu te souviens les panneaux électriques qu'on avait chez nous? Ça faisait un bail qu'on avait pas. Ah bah presque. Putain. Bizarrement, c'est comme si c'était ailleurs. Elle est relou en même temps. Je te déteste, je te hais. Elle le chauffe. Ça faisait un bail qu'on avait pas chez nous. Ah putain. Essayez. Mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. On aurait dû. Tu lui as coupé la jambe. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kellus et j'ai fait abstraction du reste. La belle excuse. La belle excuse. Ton travail passe avant notre relation. Je crois qu'aucun de nous n'avait prévu les conséquences que ça aurait. Rachel. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... Maintenant, tout paraît plus simple. Oh, la profondeur de cette phrase. À l'époque, tout était complexe, maintenant, tout est simple. Tu m'ennuies. Il n'y a pas le choix, tu m'ennuies. Il faut qu'on arrive à tourner la page et qu'on pense à l'avenir. Sinon, on va finir par ressasser les mêmes choses. Je préfère me tourner vers l'avenir. Ça devrait marcher. Allumons-le. C'est une métaphore. On a réactivé notre relation. On a rallumé la flamme. Oh oui, voilà, exactement. On a du jus. Si ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Fouillons les environs. Ah oui, je les ai oubliés. C'est vrai que c'était un peu la merde de ce côté-là. Non.
Ouais, mais ils sont résistants aux balles. Bah ouais, ils s'en foutent. Limite, on gâche nos balles. Peut-être que ça les dérange un peu. Ah, tu peux peut-être essayer de trouver leurs ailes. Ouais. J'ai l'impression que le jeu, il est content quand t'appuies sur le rouge et pas content quand t'appuies sur le blanc. Oui, voilà, c'est juste ça. C'est là. Donc, on va pas se faire chier. Qu'on traverse, il tiendra pas. Par là, c'est plus sûr. Oh là, quoi ? Ah non, je vais devoir choisir, mais j'ai pas compris. Traverser, contourner, ça tiendra pas. Contourner. En fait, traverser, c'est du QTE. Il y a plein d'obstacles, mais ça sera plus sûr. Vite, je te suis avec Erwin. Si t'es chaud en QTE. Ah, je suis trop chaud en QTE. L'expérience l'a montré. Pas sûr. Il y a un peu de QTE, juste il a grave souffert. Je pensais que ce serait un parcours de fou, alors qu'en fait il a juste, bon bah voilà. Il a juste trop souffert, c'est tout. Comment les battre ? C'est quoi ? Qu'est-ce que craint un bonhomme comme ça ? Une lame antique ? Ouais, parce que là... ouais, probablement un truc comme ça, ouais. Parce que là, y a rien, quoi. Allez. La lumière. Oh, bien vu, ça. Puisque tout a commencé lors d'une éclipse. Il craigne la lumière, c'est pour ça qu'ils sont enfoncés dans les cavernes. Eric, regarde ça. Tu crois qu'il fonctionne ? Essayons, ok ? La bande est toute emmêlée. Ça va, c'est réparable. Quand est-ce que t'as retiré ton alliance ? La tienne, tu l'as aussi. Ce mec, j'ai envie de lui péter la gueule en fait, c'est tout. Il est hyper lourd en fait. Il insiste. Elle est contre mon cœur. Oh. Elle est contre mon cœur. Nique ta mère. Je l'ai retiré quand je suis parti. C'est fini, Eric. J'ai revendu à Happy Cash. 150 euros. Pas mal. Tu sens mon cœur battre. C'est pour toi. Je n'ai pas oublié ce que cette bague représente. Mais c'est... Non mais c'est... le mec qui a écrit ce jeu est un gros bourdingue lui-même, c'est pas possible. Comment ne pas voir que c'est... ça n'existe pas ça, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un d'autre maintenant. Oh oui, ça y est. Oh let's go. Oh let's go. Brise Bulker. Arrête s'il te plaît. J'ai rencontré quelqu'un. Oh là, il va couper la tête. Il va couper la corde. Il va couper la corde. Les comment ça, je crois, oui. Dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la peur. Mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Eux, ils ont pas vu de monstre encore. Du tout. Ouais. C'est vrai que eux, techniquement, ils ont pas compris pourquoi tout là, ça. Là, ils entendent la bande, ils sont en mode. Probablement un film ou un. un livre audio. Oh là, c'est quoi ça? Bah. Mais c'est bon, arrêtons la guerre, on est dans les grottes. Le général irakien, il est complètement fou. C'est Dar. Marre de se faire. Eh lui, ça va, j'ai plus envie de le tuer, il a pris un bon karma déjà. J'en sais rien, Nick. Attends qu'il refasse une blague. C'est se dérouler comme ça. Ouais, j'avoue. Patrouille, ici King. Pense à répondre. On subit des tirs, quelqu'un pour toi, terminé. C'est Rachel. King,
Simmelman, demain, actual. Répétez, terminé. King, ici Melman, demain, actual. Est-ce que vous me recevez? Merde. Putain, il doit en avoir marre. Lâchez-moi. Non, j'aurais peut-être dû le laisser au début, quand même. Les gars, laissez-moi ici. Oui. Il nous ralentit. Ouais, je vais les retenir. Il faut retrouver Rachel. Laissez-moi, là. Non, je vais les retenir. C'est pas une héroïne. C'est pas des Irakiens. Techniquement, si. Ils vivent en Irak. On le laisse ici on ou le laisse, on le laisse ici, on le laisse ici. Si c'est si gentiment proposé. Soit on l'abandonne, soit on y reste avec lui. Regarde-le, il est quasi mort. Foutez le camp. De toute façon, les l'hémorragie sont pas arrêtées. Hein. Bah non. Alors ils sont aveugles. En fait, vu ce qu'on voit là, ils sont pas très aveugles non plus. Ils voient quand même un peu. Il y a un genre de sonar. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Super. Du coup, lui, il pouvait survivre ou pas? Il y a rien de simple dans ce trois rats. C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois? Ouais, il arrive. Non, il pouvait pas. Ok. Bouge. Ouah, je regarde le chat. Ouais, oh putain. Bah, elle est pas douée, c'est bon. Concentration. De toute façon, c'est pas comme ça qu'elle meurt. Oui. Putain, elle est dans la merde, Rachel. Oh, je te tiens. Oh, la corde. Oh non, c'est peut-être comme ça. Oh non, merde. Oh non, oh là. Oh bah, c'est... Oh bah, c'est la merde. Bon bah... Va falloir être chaud. C'est maintenant que ça se joue. Non. Ouah, la corde. Ça va trop comme ça. Ah, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Rachel, essaie de t'accrocher. Je vois rien. C'est trop sombre. Accroche-toi. C'est chiant. Arrête de te dandiner déjà. C'est chiant, accroche-toi. Bon sang, Rachel, arrête de t'agiter. Qu'est-ce qu'il fait là? Désolé Rachel! Je suis désolé. Quoi? C'est lui qui va couper volontairement là? Tu n'avais qu'à pas. Quoi? Non, bah non! Non, non, je le fais non, pas! Non, bah non, non, attends! Non, c'est tout! T'es un malade toi? Tu n'avais qu'à pas baiser un autre! C'est un malade! Il le range! Bon bah finalement non! Je vais peut-être tuer les deux. Non! Ah, ils insistent, hein! Toujours mais pas, mais toujours pas! Coupe, il faut! Mais. Mais non! Bah. Bah non, on ne coupera pas! Colonel, tenez bon! Si vous étiez pas là, j'aurais pas coupé, je vais pas couper! Ah bah au moins c'est pas notre faute. Eh bah c'est pas notre faute.
Elle est dead. Elle est tout simplement dead. On l'a pas vu mourir sur le pic, hein. Dans la prémonition, elle était en train de tomber et poignarder par un pieu. Ouais, c'est vrai. Peut-être que... Après... Il y a un monde où elle est vivante. Ouais, je sais pas. La règle, c'est quand tu vois pas mourir, un perso mourir explicitement, c'est qu'il est encore en vie à chaque les fois. Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. À voir. Oh, monsieur Chiant, c'est l'heure d'un biscuit. Tu as le temps de le manger. Ou alors se plieront-ils au jeu du chacun pour soi? N'oublions pas qu'ils ont d'ores et déjà abandonné un homme à son sort ce soir. Ce qui nous amène à Salim. Mais en gros, il semble raisonnable. Un soldat. Il n'y a pas de choix parce que malgré lui, si on coupe, ce sont des faux choix. Elle tombe et si on coupe pas, tu coupes pas elle tombe. Tombe. La corde tombe. C'est un peu enviable. Du coup, piégé sous la terre, englouti par le néant. Une par une, c'est quel jeu vidéo qui te faisait croire que t'avais une quelconque incidence sur l'histoire et en fin de compte pas du tout? C'est un genre de jeu vidéo à choix alors qu'en fait peu importe ce que tu faisais. Il y en a eu plusieurs mais. Rien. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autres. Je trouve qu'il y en a eu plusieurs des comme ça. Mais cela rend les choses. C'est très fourbe, je trouve, comme mécanique de jeu. Ah, The Quarry, c'est eux aussi. Non, je parle pas de The Quarry, je parle d'un autre jeu. Si toutefois vous me promettez que cela restera entre nous. Mais c'est très malhonnête comme procédé. J'ai pas écouté la question. Je sais croire qu'il y a des choix. J'ai pas écouté la question. Non. Mais dis oui, 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 dis oui. La dernière fois qu'on avait dit non, on avait regretté. Je crois qu'on avait dit non. Tout bien considéré. Je crois qu'il veut savoir si on veut. J'ai autrefois croisé un truc. La route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Oh non, c'est pour une métaphore gratuite. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Long et dur. Et... Ce sera tout pour l'instant. Bah, à cause de toi, je reprends un biscuit, le vieux merde. Mais il est énorme l'indice, c'est génial. Maintenant, je sais comment faire pour sauver. C'est ridicule. Autant ne pas nous le. Voilà. Elle est morte. Après, tu peux te consoler, elle en niquait un autre. Moi, ça me rassurerait. Où est passé Rachel? En vrai? Oh. Tu fais tomber beaucoup plus facilement, je trouve. Nous a tiré dessus. Si la personne avec qui tu es en couple meurt, Rachel. Tu t'apprends qu'en fait être trompé. Elle est trompée. Oui, ça rend pas les choses faciles, je pense, mais. Mais. Ah, c'est. Je sais quoi, je pense que c'est. Que j'ai pu. Un peu. Si Rachel. Un peu. Non, pas moi, je pense. Il faut partir. Colonel, c'est trop risqué. Moi, je pense que si. Pour moi. Il faut qu'on se replie. Maintenant. Par là-bas. On fonce. C'est pas trompé vu qu'ils étaient ensemble. Ouais, c'est vrai, ils étaient plus ensemble. Enfin non, dans sa tête à lui, ils étaient en pause. Ouais, je crois qu'il y avait un truc pas clair. C'est quoi ce streamer qui mange en direct, point de suspension, lul. Il est peut-être là. Pour l'instant, colonel. Toi, tu l'as bien mérité, je vais reprendre un petit gummy bear là. Un petit. Mais ça fait pas de bruit des gummy bears. Un petit bonbon. Ici Mailman, demain actuel, à toutes les unités. Vous me recevez? Terminé. Joey, réponds-moi, terminé. Il est mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les Irakiens l'ont descendu. Il a crevé dans mes bras. Oh non, pas Joey. Comment on va sortir de cet endroit? Ça fait 1, 2, 3 morts. Non, la meuf est pas morte. Toi, ça, elle est pas morte, ça va le faire. Mais du coup, la prémonition. Pourquoi il y a une prémonition où on la voit mourir dans cette situation exacte? Bah, ça se trouve, c'était une autre situation. Il y a une corde, mais c'est chelou. C'est bizarre quand même, genre. Vous croyez en... Ou alors, elle serait morte si t'avais coupé la corde. Absolument. Bah, c'est possible, je sais pas. C'est. Bah, vous devriez. Quelque chose veut nous tuer. Je sais pas ce que c'est. Vous allez jamais me croire. Merde. J'y crois pas alors que j'y étais. Des monstres. C'était pas elle, c'est lui qui mourait.
Des monstres. Ah non, c'était elle, hein. N'importe quoi. La prémonition. Sauf votre respect. Lieutenant, pour moi, c'était elle. On est aux prises avec un ennemi irakien, peut-être plusieurs. Elle meurt si tu coupes. Bah pourquoi vous me spammiez de couper, alors? Pensez avoir vu, c'est du vent. Ces statues. Nick, prends une photo dans ta tête et arrête ces conneries. C'est quoi ce lieu? C'est pas un silo, ça c'est sûr. Non mais quel fiasco. Je peux régler ça. Et le satellite. Je vais revoir les données pour améliorer l'algorithme. Il suffira d'une mise au point. Des gens sont morts. On se fout de votre satellite. Des hommes sont morts. Et peut-être Clarisse, votre femme, est morte, Eric. C'est du suicide, votre mission. Hé, hey, c'est encore moi qui commande. N'oubliez pas votre grade, lieutenant. Je vais nous sortir d'ici. Vaut mieux qu'on avance. Restez là pour garder l'entrée. On va aller voir. Ils veulent pas trop courir dans cet épisode-là, j'ai l'impression. Non. Ils sont là pour alors contempler. C'est ça, les fameuses armes chimiques de Saddam. Il y a vraiment de quoi flipper. On est foutus. Vraiment génial, le système de satellite thermique d'Eric. T'es jaloux d'Eric? Eric va avoir quelques explications à fournir. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Voilà le générateur. Allons jeter un œil. Je vais avoir besoin d'aide. Je m'en occupe. On dirait que quelqu'un ne supportait pas ce truc. Du sabotage? On dirait. Couvre-moi. C'était un humain, ça. C'était le... Arrête tes conneries, dépêche-toi. Le général irakien. Le général irakien? Dar? Parce que d'après toi, j'ai envie de déconner. Dar. Bien joué, sergent. Ouvre l'œil. Dropkick ici, Mailman 2-1 actuel. On s'enfonce un peu. Terminé. Bien reçu. Soyez prudent. Terminé. Ça se sépare. Voyons où mènent ces câbles. Par là. Vu. Oula. Merde. Attention. Un fil de détente. C'est bon. Ça a l'air plutôt facile. Une contre-explosion? Non. Il suffit de couper la détente. Il a confiance, lui, hein. Surtout qu'il est resté vraiment la tête devant la grenade. Putain. Ça doit être le gars qui a plombé, Eric. Ce salopard me poursuit. Dropkick, ici Mailman 2-1 actuel. Vous me recevez? Terminé. Je vous reçois 5 sur 5. Comment ça se passe pour vous? Votre copain nous avait préparé une surprise. Ça va, mais je vous conseille d'être très prudent au cas où il aurait laissé d'autres cadeaux. Terminé. Mais il est trop vague, précise quand même que c'est des pièges avec des grenades. C'est vrai que... Fallait peut-être un vrai rapport, quoi. Détente. Intéressant. Attention, prévention. C'était qui? Ah, c'est un zombie, genre. Ouais. Oh. C'est le général irakien? Ou un irakien? Je sais pas, il fait des bruits bizarres un peu.
Je reviens en arrière là. Hop, sûrement. Ah! Putain. J'ai tapé demi tour pour rien. Oh non. À moins que. T'en penses quoi? Les explorateurs? Ouais, ça paraît logique. Vous faites de la poussière dire, pendant des siècles. Putain, c'est une blague, j'espère. Ah bah je savais pas, tu vois. On apprend tous les jours. C'est quand même l'occasion d'apprendre, vous trouvez pas? Donc vraiment revenu en arrière pour rien. On dirait hein. Parce que c'est chiant de rien voir. Ah. Ah non, c'est bien fermé, oui. Ça c'est vu. Ça c'est pas vu. C'est pas une prémonition ça. Ça c'est un calendrier. À 59. C'est noté. Il nous attend peut-être un peu plus loin. Chut. Silence. C'est pas Joey ? Il est vivant ! C'est pas possible. On vient bien de l'entendre ? Non, 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 non. Je suis sûr que c'est sa voix. C'est ce putain d'endroit, Jason. Je te promets, je l'ai vu mourir. M'en veux pas, mon pote, mais tu tournes pas bien rond. T'as peut-être rêvé. Eh bah va crever, alors. C'est un piège. C'est bien dit, ça. On n'en sait rien. Et pas question d'abandonner qui que ce soit d'autre. Ouais. Bah, vas-y. Hey, vas-y, je t'en prie. Savoir ce qui se passe ici. On a entendu Joey dans le tunnel. Enfin, on a cru que c'était lui. C'était lui, je le sais. On va aller le sauver. Je vous rappelle que c'est moi qui commande ici. Je passe devant. Ok, Rambo. Vas-y. Ah ouais? Vous feriez mieux de rester ici, juste au cas où. Nick et moi, on va s'en occuper. Ok. J'attends ici au cas où les autres arriveraient. C'est le bon vieux Salim qui veut juste donner des coups dans la gueule de son fils. Ce qu'il veut, c'est frapper son enfant. Putain. Mais qu'on le laisse tranquille. Oh. Quelques billets peut-être. C'est pas le moment de faire les emplettes. Faut pas l'ouvrir. Dor. Dor. On dirait qu'elle souriait pas sur la photo et qu'ils lui ont fait un sourire sur Photoshop. Oui. Mais très mal fait. Bizarre. Un petit saut là. Non. En vrai, c'est faisable. S'il se motive, ouais. Hein. Non mais regarde, en mode tu peux pas faire le saut là?
Bah tu peux aller de l'autre côté et escalader après. Bah oui, c'est abusé, hein. Quoi, il vient de prendre une planche qui s'est explosée, il va prendre celle-là et faire pareil. Ok. Ah. C'est une grande main. Ouais. Mais c'est une mauvaise idée là. Si, libère-la. Mais c'est une idée de merde. Pourquoi il fait ça? Pour lui venir en aide? Non, non, j'arrête. Non, je veux arrêter. Non. Je veux pas faire ça. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Parce que tu es d'un naturel curieux. Mais il y a un autre truc. Il y a un autre truc. C'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Mais vas-tu venir en aide à cette pauvre créature? C'est vrai qu'elle souffre atrocement, je vais aller voir quand même. Mais what? Non mais là c'est hyper frustrant là. C'est hyper frustrant ce qui vient de se passer. Ah bah tu vois quand au tu veux. Au moins il y va. T'aurais dû le faire depuis le début hein. Il s'est volé, avance. Ça, comme d'habitude, ça ne fait rien, mais d'accord. Ah, c'est la lumière du soleil spécifiquement, les UV du coup. Ça brûle. Cette stratégie là, c'est un malade. J'étais sur le rouge et c'est passé en blanc. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. J'étais sur rouge, une demi seconde, c'est plus rouge. On sait pas pourquoi. Nique sa mère. Ah. Bah t'as bien de la chance, les USA sont là pour nous sauver. Ouais, c'est scandaleux, y a trop de dingueries qui s'enchaînent là. C'est bon, Salim est vivant. J'ai eu de la chatte. Bah fuis pas Salim, on t'a aidé. C'est qui eux? C'est d'autres mecs? Mais ça fait trop vite. En fait, le temps que j'aille au bout de ma gâchette, c'était repassé en blanc. C'est terrifiant. Moi je resterai au soleil du coup. Bah ouais, pour le coup tu te mets au soleil et t'attends les secours. Ah mais dès qu'il fait nuit. Mince. Tu marques un point. Tiens, encore un calendrier. R19 153 pieds. Putain, quand on est arrivé, on était à genre 50 pieds. C'était chill. Aucun problème. C'est de pire en pire. On ne fait que s'enfoncer. C'est horrible. On l'entend encore? Ici Mailman 2-1 actual. Joey, tu me reçois? Réponds-moi. Terminé.
C'est le geek. Il est mal en point. Il faut se dépêcher. Ouais. On vérifie les armes. Faut rien laisser au hasard. Beaucoup de sang. Ça doit être une sale blessure. Il s'est passé un truc vraiment horrible ici. Non, non, bah le gars avec des lunettes, apparemment, il est peut-être pas mort. Mais j'y crois pas trop. Mais, s'il est pas mort, comment il va faire pour voir ? Il est proche. Bon sang, quel merdier ! C'est vrai. Tiens, tiens. L'ombre ou la lumière ? Un endroit pas éclairé. Et merde. Faut me couvrir. La trousse de premier secours de Joey. Trajectoire actualisée. Je sens que ça va m'être très utile plus tard. Hop là. Une mort en moins. Quel trou pourri. Il n'est peut-être pas seul. Joey, c'est toi ? On y va doucement. Pas trop vite. C'est pas Joey. Il y a un truc qui cloche. Je sens que ce soit Joey. Mais après, comment ils font crier quelqu'un là ? Bah, c'est Joey, c'est un zombie. Genre, les monstres, ils prennent un corps, ils font. Ah ! Ah ! C'est bizarre. Non, mais étant donné qu'on a vu qu'il y avait un genre d'humain qui attaquait. Eh, c'est Salim. Non, ne tire pas dessus. Oh, wow, wow, ça, ouais, ça suffit. Pas... Ah, mais attends, c'est pas le général plutôt ? Ah, je sais pas. Ah, j'aurais dû. Merde. De toute façon, tu l'aurais pas tué à mon avis, je pense. Ouais. Comme d'hab, ils auraient fait tirer à côté. Ah, c'est Monsieur Dar. Oh non, Monsieur Dar, je vous la renvoie. Faut la renvoyer. Ah. Je vous la renvoie pas. C'est vrai que dans la vraie vie, on les renvoie peut-être pas. Melman 3 à Melman 2-1 actual. Répondez, lieutenant, à vous. Ici Melman 3 à Melman 2-1 actual. Répondez, lieutenant, à vous. Attends, je rêve ou j'ai vu une grosse commande là ? Ah, j'ai pas vu. 10 packs légendaires. Ouh ! Quoi ? Vache ! La vache ! Attends, mais oui, je me disais bien, j'ai pas rêvé. Non ! J'ai pas rêvé. Mais devine qui c'est ! Mais devine qui c'est ! C'est Guigui ? C'est Tanguy ! C'est Tanguy ? Il a encore pris. Il avait 10 packs légendaires et 2 displays. Oh, le négociant en médicaments, Tanguy. Il est de retour. Bah écoute, Tanguy, tes stats d'avoir le ticket d'or augmentent légèrement. On ne peut toujours pas le garantir. Mais c'est mieux déjà. Pas garanti, mais. C'est toujours mieux. Augmente. Tu as 100 chances de plus de l'avoir. C'est bien. Merci beaucoup. Même plus que ça. Par là-bas, il y a un démon. Mais... Je viens d'y penser, Link, mais regarde. Tanguy. Il achète du matériel médical, il revend du matériel médical. Vous allez faire exactement ce que je dis, ou je le jure devant Dieu, je vous livrerai à ces choses. Il va pas. Il achète des cartes concul, il revend des cartes concul. C'est un mec qui sait acheter et revendre, il est très fort. C'est un professionnel de l'achat-revente. Il est très très fort. Je connais leur point faible. La lumière du soleil. Je connais leur point faible. Vos balles ne feront que les ralentir. Même si un camion leur tombait dessus, ils seraient à peine. T'as rien entendu, agacés. C'est ça? Quoi ? On va faire T'as ça rien ensemble. Entendu, c'est ça ? Ok.
Tu parles de quoi? Ah ouais, t'as vraiment rien entendu, quoi. Alors je te coupe. Prends mon gâteau, tu disais quoi? Je pense que au moins le stream, on a rien entendu non plus. Il faut le contourner. Il faut que je lâche une caisse gigantesque pour que vous l'entendiez, en fait. Ah bah faire... là, j'ai rien entendu, hein. Putain, ça a fait un bruit de fou. Non, tu mens. Soutien, allons-y. Ah mais j'ai fait une caisse phénoménale, genre c'est... Allons-y. Mais si même de ton côté les gens n'ont pas entendu, alors que t'as la source audio activée constamment... Ah moi j'ai... C'est qu'elle n'était pas si phénoménale que ça. Oh non, moi j'ai donné. Hein. Moi j'ai donné, j'ai peut-être pas assez... Attends, t'as rapproché ton micro? Ouais. Et pourtant, personne n'a entendu. Mais si, ils ont entendu, mais c'était trop... Ah, regardez le chat, non. Je suis pas... On parle paix là. Et merde. Fais pas bruit, hein. T'en fous, moi, c'est calme. Ah, bordel. Oula, en fait, c'est long. On va faire comment ça? Sale gueule. Des bêtes qui ont des milliers d'années. Hein. Très bien conservées. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, bordel? Ces monstres sont partout. Je n'avais jamais eu affaire à des ennemis aussi vicieux. C'est quoi ces choses, d'après vous? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas pensé à demander. Et vous? Je ne sais rien de ces créatures. Je ne devrais pas être là. Je devrais être chez moi. Avec mon fils. Ouais, je comprends. La famille, c'est important. Je n'aurais jamais dû venir. C'est son anniversaire. Dommage. Vous seriez mieux avec lui. Il a quel âge? Assez vieux pour se prendre pour un homme. Alors que c'est un gamin. Je vais le battre. Il fête ses 18 ans. Wow. Ah ouais. Ça compte. Vous savez quoi? Votre plus beau cadeau pour lui, ce serait de vous voir rentrer chez vous. C'est la seule chose qui me fait tenir. Ah, les deux meilleurs personnages du jeu, ensemble. C'est superbe. Si on est en enfer, je devrais au moins vous dire mon nom. Ils vont s'embrasser. Nick Kay, sergent. Salut, Mothman. La meuf... Lieutenant. Qui avait pas de sourcils, là. Qui avait pas de cils, oui. Plutôt. Ah oui, elle est où? Elle est où? La David Bond. La chose. La créature qui s'est occupée de télécharger les données, là. Elle est où? Elle est morte? Bah, du sol, oui. Elle est morte au tout début. Bien, mon vieux. Allez, c'est elle qui a été happée par la bête. Je suis droit devant. Ah, c'était elle. Ça, c'était une gonzesse. Ok. Putain, on se demandait qui c'était. Putain, mais en fait, tous ceux qui nous cassaient les couilles sont partis, quoi. C'est bon. C'est génial. Qui ne vous fera rien? Les Américains. Je fais pas confiance aux Américains. Allez vous cacher, vite. Allez. Ça va, lui il est du genre à faire une bavure, lui. Il est bizarre.
L'Irakien, il est derrière moi. Le gros bâtard. Ouais. Asperge-le. C'est un plan foireux. Je sais pas ce qui est arrivé à Joey, mais il est mort. Et il y a je ne sais pas combien de ces monstres qui traînent. Il faut se retrancher dans le temple et se regrouper. C'est le meilleur plan que j'ai entendu aujourd'hui. Pardon. Non. Je suis désolé, hein. Ah, ce truc-là, quand il l'avait dans la main, à un moment, il y avait une prémonition. Ça, c'est quoi? C'est un tonfa électrique? Alors, le truc à côté, oh. Ouais, je sais pas. Oh, saisis-toi. Il est alcoolique? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est pour ça qu'il a dit j'ai arrêté. Ah oui, il est complètement alcoolique. Ah, c'est une lampe UV! Ah, mais c'est comme ça qu'il crame les créatures! C'est vrai. Oh, c'est pas le plus dynamique des. T'es où, ça fait des Dark Pictures? Putain, je veux dire, j'ai pas beaucoup dormi, je le sens, hein. C'est le meilleur, mais pourquoi? Disons que je trouve qu'il y a un problème de rythme, selon moi. Je trouve que c'est un long fleuve tranquille. Ça devrait au moins les ralentir. Assez longtemps pour les repérer sur les caméras. Il est lent à commencer. Ah, parce qu'on a pas, on n'est pas dans le dur encore là. Ah d'accord. Ah, c'est le début là. Ah, au ça bout marche. De 2h39. Ça marche. Bah on va attendre. Hein. Il faut remettre ce fil de détente. Aide-moi un peu. On s'est déjà trouvé dans des situations de merde. Hein, mais jamais à ce point-là. Si je dois combattre ces choses, je suis content que ce soit à tes côtés. Ils vont vraiment s'embrasser, en fait. Ouais. Non. Il y a une romance entre Nick et l'Irakien. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon pote. Quoi qu'il arrive. Vraiment superbe. Tu trouves? Je me demande combien d'endroits comme ça on a fait sauter sans réfléchir. Ah, puis cette salle, en fait, on y retourne avec tous les persos, du coup, je crois, on la redécouvre. Mais qu'est-ce qui te prend? Ces gens ne voulaient pas de cette guerre. Pourquoi tu les défends? Personne n'a jamais la bonne réponse. Oublie ce que j'ai dit. Mainman 2-1 actual, ici Dropkick. Bon rapport, terminé. 2-1 actual, bien reçu. Caméra active et trou démoli. Terminé. Tanguy, il a refait une commande. C'est pas vrai. Couloir est et prenez garde. Terminé. Mais j'ai pas vu. J'ai compris. Terminé. C'est vrai. Je pense qu'il devait compléter sa commande parce qu'il avait pas assez de pack. Mais il est effrayant. Il a pris. Il a repris deux packs légendaires en plus ça. Et trois displays. Ah, il fallait penser. Il avait un plafond de paiement. Je vous vois. Merci Tanguy. Pontiac. Les analyses de Kellus indiquent une structure bien plus vaste sous le temple. Faites attention. Il y a un gros truc là-dessous. Merde, ces portes ont été plombées. Ces choses sont certainement passées ici en force. Celui qui maniait cette arme a tenu bon pour alors le coup. Alors comme ça, tu fais du L mais aussi du M derrière. Tu l'as eu. La main dans le sac, Tanguy. Tu l'as coincé. Ah. Tu fais différentes tailles. Non, c'est pas possible. Quoi? Tu préfères quoi? Que je me bute?
J'ai entendu que je me bute. Tu... Genre, le gars, c'est soit il rentre, soit il suicide. Tu veux que je me bute, c'est ça? Une fosse. Sympa, cet avant-goût de l'enfer. Il a craché là? Oui. Il a craché sur les morts? Oh bah, faudra passer. Je pense que c'était forcément des morts. Ah si. Si, c'était des ossements. Faudra pas pleurer après, hein. Après avoir fait un trou dans la roche, nous avons découvert un passage menant à un monde étrange, caché dans les profondeurs. Il dégageait une phosphorescence qui nous nimbait tous d'une lueur surnaturelle. Lady Bradshaw a insisté pour que nous descendions davantage. Marie a sans doute raison. Bradshaw prend de plus en plus de risques et devient incontrôlable. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se cache dans les profondeurs. Je travaille maintenant avec Crow et Pullman afin de mettre en place un treuil et un ascenseur pour descendre dans le puits. Je me demande quel mystère renferme ce lieu. Oh là là. Oh là 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 là. Ils ont trouvé un truc bizarre ici. Non, sans blague. C'est vraiment très résumé. Ouais. Mon Christophe, on se fait pas chier, toi aussi je t'ai vu. Alors? Quelle merde. T'as trouvé quoi? Rien qui puisse nous faire sortir d'ici. Franchement, au point où on en est, je me foutrais même des joyaux de la couronne. Putain, je croyais que j'étais l'autre personnage. Oh, j'ai vrillé. Parfait. C'est un bon point d'étranglement. Ces saloperies qui viennent des profondeurs passent forcément par ici. On pose des charges? Ouais. Piège ces piliers pour couvrir toute la zone. Par contre, les fils de détente seront visibles. Tu crois que ces créatures les remarqueront? Elles ont 4000 ans. Faut pas les sous-estimer. Si on piège les côtés, il y a plus de chances de les avoir. Moins de dispersion, mais ce sera mieux planqué. T'en penses quoi? J'ai pas écouté, dis-moi. Moi, je piégerai les côtés. Ces choses sont vraiment sans noix. Tu as vraiment parlé au bon moment, je dirais. On a des charges sur les côtés du couloir. Mais d'accord. Un petit peu plus tard, c'était la catastrophe, je pense. J'entends d'ici ton cerveau qui cogite. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, disons que sur les côtés, ça a l'air mieux parce que les piliers soutiennent le dessus, quoi. Putain, pourquoi je t'ai demandé ça? Je veux plus qu'on revienne là-dessus. Ouais? Tout a été dit, non? Tu sais que ce poste de contrôle était visé par les kamikazes. Il a fallu qu'on improvise. Il fallait faire un choix. C'était un mauvais choix. Ils ont encore des PTSD de la guerre. Ouais. Pourquoi on déforme toujours l'histoire? Tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer. C'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable, non? Je veux la vérité, Jason. Je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme. Tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché? On a merdé. Si jamais on sort d'ici, il faudra s'amender. Et si on crève ici, c'est peut-être qu'on le méritait. Tu sais que je voyais Rachel. Tu te fiches de moi. Depuis 3 semaines. 3 fois par jour. C'est armé. Dropkick, ici Mailman 2-1 actual. C'est un vrai labyrinthe. Est-ce que c'est la structure que Kellus a repérée? Terminé.
Ce n'est pas possible, lieutenant. Il y a quelque chose de bien plus profond. Repliez-vous. Terminé. Place une caméra et on y va. Oh! Oh la vache, elle est dans un piteux état, là. Mais elle est vivante! Mais pourquoi elle est pleine de sang comme ça, là? Parce qu'elle est tombée dans la fosse. C'est tout mou et tout visqueux. Ah, mais on dirait des viscères et tout, c'est dégueulasse. Oui, mais ah, ça a amorti le choc. Ah, ça s'appelle la fosse, j'avais raison. La fosse. La fosse. Les enfers. Eric. Ce n'est pas de l'eau, mais du sang. C'est du sang. Elle va penser qu'il a coupé la corde, ce qui est complètement faux, puisque ça devrait pas ressembler à ça. Ah oh, putain. Oh non. Ils vont s'engueuler. Jason. Ah oh, merde. Je ne le sens pas du tout. Ah bah là, j'hésite, hein. Bah t'as pas le choix, hein. Permets-moi d'hésiter. Il y a pas de bulle, quoi. Oh, le beau bazouzou. Oh, le bazouzou royal. C'est vrai que elle, je crois qu'effectivement, elle est pas au courant qu'il y a des créatures. Non, pas encore. Ça pourrait être un tigre. Je n'ose même pas imaginer l'odeur de cet endroit. Il y a un secret ici, tu vas voir. Ah, tu le verrais, ça clignotera en bleu. Tu vois ? Je l'avais dit. Ah ! Putain. Oh, c'est vrai, c'est la suite. Non, regarde. Avance. Elle a une sale tronche, hein. Encore plus. Oui, c'est une arme comme une autre. Mais pourquoi pas? C'est inventif, j'aime bien. Pour que les os restent là des centaines d'années, c'est que c'est plein de calcium. Hein. Ah bah c'est... C'est full calcium. Hein. Ça se demandait comment on peut se casser un os. Ah ouais, la torche est... Bear Grylls. La torche est folle. Il peut y avoir autant de sens, tu vois, mon avis. Enfin, mathématiquement, c'est impossible. Tu sais combien ça fait de gens? Mais c'est quoi cette lumière? Un tel endroit rempli, c'est impossible. Impossible, hein. Il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui soient mortes. Là, il y a moins d'une semaine. C'est impossible. Thank you.
C'est de la saloperie là qui te suit. Vous inquiétez pas pour ça. Ouais, j'ai des frissons, ralentis pas. Hein. Ça vient quand même vachement vers toi. C'est des courants. Des courants d'eau chaude. Putain, y'a pas moyen d'accélérer avec elle ? Non. C'est un liquide inflammable de fou en fait. Eh ben. Salut. Courez. Mais c'est pas possible elle. Alors elle par contre c'est étonnant. Mais elle, elle a tout capté, la théorie, c'est sûr. Hein. Elle y a pas de mort, y a pas de mort. Elle s'est devenue la boss, elle sait comment les combattre. Elle sait tout. Genre. Elle a déjà tué 10. Genre là, elle a vécu. Elle a vécu 10 ans avec eux, elle sait parler leur langue. C'est terminé là. Ah oui, allez, quand même. Un temple découvert par les archéologues. Ce ne sont peut-être que des grottes naturelles. Ou bien alors. Oh. Oh non, j'allais aller pisser, mais il y a un danger. Bon check. Ah, c'est le zombie en question. C'est pas Kolchek. Ça mène vers l'extérieur. On pourrait relancer la radio et essayer d'appeler les secours. Ça se tente. T'emballe pas. Ouais, on n'est même pas sûr qu'il y ait un émetteur qui fonctionne à la surface. Il faut bien que ces câbles débouchent quelque part. Ils sont opérationnels, tu crois ? On dirait qu'ils sont simplement défaits. Pourquoi ils veulent descendre ? Tant mieux. Ils veulent suivre le câble. Là-haut. Ah. Ah, mais c'est quoi cette merde ? Il a des petites cordes ridicules. Non mais c'est ridicule là, qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais non, c'est... Mais c'est ridicule. Mais enfin, vous êtes ridicule. Mais qu'est-ce que vous faites? Le jeu était pas si mal. Qu'est-ce que vous lui faites? Assez, Caporal Gomez. Mais... Cette chose n'est pas jouée. Ah, bien joué, hein. Des fois je tourne la tête et je vois des gens dans le chat, ils écrivent juste que c'est nul. Que c'est mauvais. Ils ont une pipe et une tasse de thé. Mais que c'est nul. Ça n'a pas de sens. Oh. C'est comme un bon vieux nanar, c'est excellent. On est toujours surpris de leurs idées, quoi. J'ignorais que vous saviez. Me battre ? Ouais, moi aussi. C'était quoi cette chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est pas seule. Où étiez-vous ? Une de ces choses s'est emparée de moi et m'a traînée ici. Elle me croyait morte. Merde. Et encore, le mot est un peu faible. J'ai de la chance d'être encore là. Vous parlez à une scientifique. La chance n'existe pas.
Estimez-vous heureuse que j'ai été là? Vous êtes scientifique? Je vous revaudrai ça. Vous êtes vraiment scientifique, vous. Merci. Eh ben, moi, je suis boulanger. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Ah, c'est donc là que vous vous cachiez. Elle est grise, non? Ouais, elle est bizarre, non? Ouais, elle est malade. Je pense qu'elle a... Je vous dérange? Elle a une vilaine grippe, ou alors elle va lui pousser des cornes. Lampe. Vous pourriez demander... Elle s'est fait infecter. C'est pourtant simple, non? J'avoue, elle a plus de sang, là. Elle est toute... Oh. Ça doit faire mal. Ouais. Ça pique. Tenez-vous tranquille. Faut pas désinfecter d'abord? Ok, t'occupes, c'est la scientifique. Contente de vous voir. Merci. Bon, je suis pas mécontente non plus. Vas-y, ils veulent pas se laver le visage là, j'aime pas le sang, ça devient long, c'est dur. Frotte un peu quoi, merde. Déjà la fosse, vas-y, j'ai essayé de faire abstraction, mais putain ça commence à faire beaucoup là. Elle s'est abusée comme elle en a partout. Genre, elle peut pas s'essuyer vite fait. Ça me paraît compliqué. Putain, j'ai les mains toutes moites. Regardez. Je m'étire de partout. On ne pourra pas grimper. Ensemble on y arrivera. Pourquoi je savais que vous alliez dire ça? J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Ah, c'est peut-être là la vision où elles sont dans des... Oui, c'est possible. Oh, les sandalettes. Ça, c'est le roi, c'est sûr, c'est le roi. Ah, il est pas mort. Non, il est pas mort. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment réservé aux classes les plus hautes, les sandalettes. Oui, les sandalettes. Ouais, surtout celle-ci, un peu comme ça. Alors qu'il me semble que les esclaves avaient des espadrilles. Voilà. Tout va bien? Ouais, je m'arrête une minute. Ah non, ça me saoule. Tu l'as, pousse-la. C'est pas une pousse qui va nous tuer. Ça va être long, ça va être trop long à ce qu'on sache qu'elle est infectée, ça me saoule. Ouais, merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse, est-ce que ça va? Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Il y a pire. Ouais. Vous voulez plus me parler, c'est ça? Calme-toi quand même. Très franchement, on devrait se concentrer sur notre survie. Pas étonnant qu'on vous surnomme la reine mère. Le pire, c'est que vous ne voyez rien. Qu'est-ce que je ne vois pas? Vous ne vous ouvrez pas aux autres. On dirait qu'un mur vous entoure. Non, c'est plutôt une montagne, pas un mur. Ferme ta gueule, non? Dites-moi, Rachel. Il y a une vraie personne derrière cette façade? Espièglerie? Ferme juste ta gueule. Je crois qu'on devrait y aller. D'accord? Vous êtes une vraie dure. En fait, je crois que je pourrais vous apprécier à force. Est-ce que l'infection, ça rend con et insolent? Non, il était déjà au début. Ouais, c'est vrai. On peut pas tout mettre sur le compte de l'infection. Allez, deux petites cornes, là, deux petites cornes. Deux petites cornes qui vont faire pouc. Ouais, ça fait mal au front, hein. Ouais. Ça pousse. Ça va pousser la casquette. Ouais, Rachel! Iris, qu'est-ce que cette chose vous a fait? Pitié! Pitié, me laissez pas être toute seule! La tuer. Pas un pas de plus! Démon! Non, vous approchez pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Tu es le diable! Alors là, ne me laissez pas un choix où je peux la tuer parce que je vais la tuer. Bah, je peux rien promettre, hein. On va essayer de réparer, mais... Écoutez-moi. Vous avez été contaminé. Qu'est-ce que cette chose vous a fait?
à cette épée, non? Il y a des médicaments en haut. Elle était debout, je crois. Ça peut vous aider, mais il faut grimper. Vite. Non, là, laisse-la. Ouais, cette épée, ouais. Donnez votre main. On est du mauvais côté du gouffre. On ne passera jamais. On va pas rester avec elle. Bah, c'est bête, quoi. En plus, elle vient de dire, vous avez été contaminé. Je veux dire, bon... On va se balancer. Donc ça tient, d'accord. La corde tiendra pas. C'est là que la corde va pas tenir? Vous croyez vraiment que ces médicaments vont m'aider? Non. Vu la tronche, non. On n'en sait pas assez sur ces choses. Arrêtez, Rachel. Dites-moi franchement. Il y a peu d'espoir. La vérité, c'est pas terrible. Oh mais tu es là, son visage me déprime, c'est quoi cette tronche? Si ça arrive, si je change, vous devrez me tuer. Pas de soucis. Si, à chaque fois, bah ok. Je peux le faire maintenant. C'est pas hein. Vous que je tuerai. À chaque scène, elle a une plus sale gueule, hein. Faut la tuer bientôt là. Prévenez, bande de connards. Oh. Le lui redonne pas la corde. Tu vois bien que Jésus l'abandonne. Ça se voit. Allez hop. Ta gueule. Mais t'as qu'à courir et l'attraper au milieu. De toute façon, elle nous retrouvera, hein. On la recroisera, elle nous bouffera le cul. Rien arrivé par là, mais je les entends. On dirait bien qu'en bas, ils s'amusent beaucoup plus que nous ici. Terminé. Du moment qu'ils viennent pas nous faire chier, moi ça me va. Rien sur les caméras à l'intérieur. Terminé. Ouvre l'œil. Oh les gros yep. Non. Hein? Pas à toi. Non. Viens ici. Moi je voulais juste attendre la fin du chapitre, mais bon. Apparemment. Qu'est-ce que. Non mais les portes. Les portes sont même pas fonctionnelles. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah. Rien à signaler. Non, pour l'instant, on est à zéro mort. Parce que le seul perso qui est mort, surgiront par le gouffre. Si. On n'avait pas le choix. Il mourrait dans tous les cas. On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Donc on n'a pas fait de mort encore. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. C'est mal barré. Je ne sais pas combien de temps ces portes vont l'appuyer. Faut essayer la radio. On la répare, on appelle la cavalerie. On fout un peu le bordel. En admettant qu'il y a un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Le seul truc qu'on doit à Eric, au milieu de tout ce merdier... C'est de l'appui aérien. Les miracles, ça arrive.
Si on envoie un signal, peut-être qu'il y aura un hélico pour l'entendre. Enfin, pour ça, faut qu'on puisse l'envoyer, ce signal. Un problème à la fois. Je vais avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. On dirait qu'elle a été sabotée. Mais quel intérêt? Va bien falloir qu'on se débrouille. Au moindre mouvement, repliez-vous. C'est plus sûr à l'intérieur. T'avais pas remarqué qu'il était avec le mec qui niquait son ex? Et du coup, tu penses que ça va créer un problème? Oh bah... Bien joué, sergent. Je crois qu'elle avait pas eu le temps de lui dire que c'était lui, mais bon. Peut-être qu'il y aura une gaffe. Mais officiellement, elle est morte, hein. Ouais. Enfin, il d'ailleurs, la pense pas. Et il en a rien à foutre d'ailleurs, comme d'hab. Le cancer du poumon, c'est pas mon souci numéro 1 en ce moment. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet? Ça va? Ouais, ouais. A chaque fois, zéro mort parce qu'ils prennent pas de risques. Par exemple, en abandonnant les blessés et les contaminés potentiels. Bah. C'est normal, non? Là, je comprends pas le. Compris, signal fantôme. Il aurait pu sucer la plaie infectée, mais non, faut qu'il prenne pas de risque. Et vas-y, que je désinfecte. Allez, répare-moi cette radio. Ouais, c'est... Si on arrive à émettre il a compris. Ah, j'ai pas écouté, mais apparemment, il a compris. À cause du briquet, je pense qu'il a vu qu'elle avait un briquet. Ah, mec, okay, okay. Pas technicien. Si Merwin était là, il pourrait le faire. Il a fait le lien. Sans blague. Bah, faudra faire ça. Toi qui baisais ma femme avec ta grosse bite. Ça lui donnait beaucoup de plaisir. C'est ça? How mad are you being? الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يكمدوا. محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. تجننت دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك. اه بور سا ده العدو الحقيقي. سليم انت تجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. قتلوا الامريكان كانوا هيقتلونا انا. اخرس وامشي ورايا. انت سامعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي. يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن. اختار. Il va mourir. Dar, il est bête. Bah. Stan. Disons qu'il a une aide justifiée envers les Américains et leur objectif c'est de tous les buter. Qu'ils soient à la surface ou 400 pieds sous terre, il va les flinguer. Voilà, c'est tout. Et merde! C'est pas nous, c'est émetteur, roule-toi! J'ai besoin de temps! Colonel, retournez dans le temple! Je reste ici. J'ai besoin de vous aux caméras pour nous prévenir. Je m'en occupe. Lieutenant, je. J'ai dit, je m'en occupe! Allez! Ah, c'est pas le moment, hein. Ça fait trop de problèmes. Trop de problèmes. Oh, l'abruti. Ne faites pas ça. Silence, pas un geste.
Il faut que lui se fasse attaquer par les monstres en premier. Hein. Ouais, Dar, il va falloir, s'arrêter là. Salim, sois un traître. Tue-le. Non, je vous déconseille de faire ça. Faut contourner. C'est le seul moyen de se débarrasser de ce clown. Couvre-moi. Bon, je t'ai tiré n'importe où. Ouais, mais vu que c'était rouge, j'ai validé. Ne bougez pas. Bien vu ça. Je vais t'avoir, mon lapin. Hop là. Allez, tue-le enfin. Mais il non. Il est nul. Je t'ai tiré dessus. Ah, c'est la bête qui va le tuer. Ah non. Ils auraient pas dû emmener le prisonnier avec eux. Enfin, un petit otage. Ils ont pas le temps de s'en occuper. Un petit otage avec eux là. Ou alors juste le tuer. Le général, pourquoi oui. Le tue pas. C'est bizarre, il veut tuer tous les Américains. Ouais, oui, tu pas le dernier sur le chemin. Là en mode mince, j'ai échoué. Je vois pas les Irakiens. Ils sont pas trop cons, ils viendront pas. Ça va bientôt chauffer là-dedans. Rachel ? Rachel ? Rachel ? Oh, le triangle amoureux, let's go ! Oh, l'ambiance de mort qu'il va y avoir. Tu es vivante ? Étonné, soldat ? Oh non, mais pas devant lui ! Non mais... Ouais, non mais alors... Oh là. Ah, y a de l'abus là. Oula. Où est Eric? Rachel? Oh là, c'est pas la même ambiance hein. Oh le grimace. Ah, ah non mais sérieux. On aurait dit des grosses pierres dans Mario là. D'accord. Qui t'empêchent de passer dans ma partie. La corde ah. Lâchée, je l'ai pas coupé, j'ai pas pu. Amour retenu. Non mais je l'aime toujours pas. c'est ça Merci, Eric. Ah, il fait des grimaces. C'est lui, pas vrai? Mais c'est pas le moment. C'est pas le plus futé, Nick, mais même vous, vous devez savoir de quoi je parle. T'as couché avec lui, Rachel? Mais... Oh, putain, oh, le vieux. Non mais l'ego du gars, oh, alors c'est vraiment nul. Pas le moment. Oh, c'est nul. Ça suffit. Arrête. Je sais que c'est lui, Rachel. Je le sais. Je le sais. Vous sentez le sexe. Me lâcher avant que je le vois dans votre regard. Non, Nick. Vous faites des trucs de crado. Ça se voit. Oh. Je t'ai attendu longtemps, Eric. Et puis... J'ai eu besoin d'avancer. Toujours loyal. Tu as tenu. Mais pas moi. Content de vous voir, Rachel. J'avais craint le pire. Qui d'autre est en vie? Pas grand monde. Merwin est mort.
Ces choses ont tué Joey et Clarisse. Qu'est-ce qu'il y a ? On va être honnête. Clarisse était infectée. Ouais, sinon, quelqu'un d'autre va être infecté, ils vont pas le dire. Je sais pas comment sont entrés en elle. J'allais pas prendre le risque. J'ai dû la laisser là-bas. Quoi, vous voulez dire qu'elle est toujours en vie ? Ce n'est plus vraiment Clarisse. Oh, lui, il va rien comprendre. Je l'ai vu se transformer sous mes yeux. Je vous crois. Ah. C'est ce qui est arrivé à Joey. Et voilà, ça a parlé baise pendant 10 minutes. Armé. Résultat. Putain. Je sens le meilleur. Allez, on se replie dans la grande salle. Ils auraient peut-être dû faire ça depuis le début, là. Bah ouais, ils auraient pu prendre un peu d'avance. On a besoin du générateur. Sans lui, on est aveugle. J'ai besoin d'aide. Aucune de ces saletés ne doit entrer. Elles sont déjà entrées. On doit plus en laisser passer. Je ne veux plus voir leur sale gueule. Retiens la porte. Je me charge du générateur. Oh, merde, c'est de pire en pire. Et encore, vous avez pas vu l'homme en sandalette. C'est miné par ici. Ça va être terrible. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Eric. Oh merde ! Ces choses ont vraiment très envie de nous rendre visite ! On a besoin de ce générateur vite, ou on est mort. Laissez-moi jouer, je vais vous aider là. Insiste, ça ne tiendra pas. C'est notre terrain, nos règles. C'est plutôt leur terrain à elles, si je peux me permettre. Ouais, ça fait quand même plusieurs milliers d'années qu'elles sont là. Ça fait même pas quelques heures. Des goûts. On courait, non ? Rachel. Oh putain ! Oh bordel. Oh, j'ai failli le rater. Putain de machine de merde ! Ça va, la mitrailleuse elle va servir. C'est le moment de se barrer. Ce que dingue, c'est qu'elle marche encore. Ils sont entrés dans le périmètre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, on vous écoute. Allez, allez, il y a forcément quelque chose. Oh, je sais. Ok, on peut rejoindre les catacombes, faut qu'on descende. Dernière nouvelle, la sortie se trouve en haut. Soit on descend, soit on se fait tous cueillir ici. Écoutez, on va à la porte est. Vite, vers la porte. Oh le bazar. Elles sont pas si nombreuses que ça, mais c'est suffisant. Tirer, pour se replier. Dans la merde. Se replier. Ouais, se replier. Ça suffit. Ça sert à rien de tirer de toute façon. C'est bizarre qu'ils n'ont pas compris. Bon, vous vous repliez. Mais quelle chance! Nick. Nick.
On est vraiment dans le bouquet final du chapitre là. Les personnages s'enchaînent, l'action est ininterrompue. Pour passer au milieu, il faut longer les murs. Tu passes au milieu ? Bah ouais. On les installe sur les côtés. Ce serait logique. Voilà, ça a servi à quoi le petit truc que j'avais ramassé par terre là, tu sais? Le petit kit avec là. Avec des chiffres? Le petit kit de soins, l'espèce de... Pour l'instant rien, mais des chiffres on sait pas non plus hein. Ouais. Chut. Silence. Je les entends. L'explosion les a bloqués. Il faut continuer. C'est quand qu'il revient le conservateur? J'ai l'impression qu'on l'a vu il y a 3 jours. On l'a vu une seule fois en plus de 3h20 de jeu. Putain, ils veulent plus nous le montrer, hein. El-Misalak. L'église. Comment ça? Toi, El-Misalak. Ouais. Mon ami n'est pas content. Ouais, ça se devine. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre ami est un petit peu trop tendu à mon goût, et moi ça me rend nerveux. Si vous baissiez votre arme, peut-être que la tension retomberait. Un seul geste, et vous êtes mort. J'ai l'impression que nos uniformes sont un frein regrettable à ce qui pourrait être une si belle amitié. Lâche-Ahbal, silence! Moi, je pense qu'on devrait mettre une balle à ces deux enfoirés. Ça vous va, colonel? Au moins cette fois, ce ne sera pas par derrière. Bien envoyé. Décidé, ouais. Colonel. On a besoin de leur aide. Ouais. Mais le colonel, il casse les couilles en fait. Le problème, c'est que Dar, il va jamais vouloir. C'est nos ennemis, Nicky. Je n'ai confiance en aucun d'entre vous. Et voilà. Nous devons ouvrir cette porte. Qu'est-ce que vous attendez? Venez! On vous dit de pas bouger. Putain, Jason! L'ennemi de notre ennemi est notre ami. Tu peux regarder où on en est, voir ce qui reste. Oui. Alors, voir quand est-ce que c'est le mieux pour s'arrêter. Genre, est-ce que là, si on s'arrête, on en... combien d'heures de jeu il nous reste pour faire un stream ou... Je vais regarder à Wolfhout. 5h25 de Wolfhout, d'accord. Nous, on a joué 3h, donc on doit être environ ici. Attends, je comprends pas où ils sont là. On a joué vachement plus vite qu'eux ou quoi? Ah, j'ai pas été mauvais quand même. Hein. Attends, je cherche. En fait, il fait tout le temps noir donc c'est compliqué de savoir où on est dans le jeu parce que tout se ressemble. C'est vrai. Bienvenue dans le pire endroit qui puisse exister sur Terre. Ok, alors là, par contre, on n'y est pas du tout. Bah, je vais mourir. Investigation. En gros, on va mourir. On va crever. Un personnage va crever. Dommage. Et bah, c'est Jason qui va mourir. C'est l'homme en sandalette! Qui est là?
Montre lui ton crucifix pour lui montrer que t'es peut-être sur le côté. L'homme sans dalette. C'est ça ce qu'en fait je viens de le voir dans Wolfraut. Ah. Je vois où on en est. Oh, bien fait, toi. Toi, te dégages, toi. Non, ne le sauve pas, mais ne le sauve. Oh. Salim, trop gentil. Bah, c'est ça son problème. C'est, bah pas, oui. C'est pas de défaut. Eric. Nick. Regarde mes pieds. Contemple ma puissance. T'en as des comme ça, toi, des sandalettes. Viens dedans. Fusil, crucifix, crucifix. Il ne craint pas les balles. Je pense que ça sert à rien le crucifix. Hein. Ah, mais tu m'as dit, montre-lui son crucifix. Mais c'était une religion qui n'existait même pas à son époque. Il respecte toutes les religions. Même les nouvelles. Oh, il les respecte toutes sauf celle-là. Merde. Salim. Headshot. Headshot. Alors attention, faut bien viser là. Ludicrous. Soit elle, soit lui. Yeah. Oh oui, ça fait. Ah, le jeu a tiré sur ma corde sensible, oui. D'accord, j'ai été faible. Et voilà, elle n'est pas plus en sécurité. Ah, donc elle était insauvable elle. Bah là elle est insauvable parce que genre. Ouais. C'est quoi, genre En l'aidant, ça marche pas, et je pense qu'en l'aidant pas, ça va faire un peu plus. Je pense que Rachel devait forcément être infectée. T'as pas tiré. Si, j'ai tiré. Mais si, j'ai tiré. Ouais, mais genre, t'as tiré, mais dans le jeu, ça a fait en sorte que t'as pas le temps de tirer. C'est un peu con. Le jeu a pas tiré. Ah ouais, mais. Bah. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai appuyé sur mon bouton, quoi. Moi j'ai appuyé sur mon bouton, c'est ça que je vous dis. Ça gouverne le vieux monsieur ne revient jamais. Ah ouais? Oui. Ah bon, on va s'arrêter alors. Ça arrête là. Bah, du bon rap quand même. Hein. Oui. C'est marrant parce que ils sont là pour dire qu'on est en retard quand on démarre à 21h03 alors qu'on ne l'est pas. Mais il n'y a personne pour vous dire « Oh, hola général, vous avez fait plus de 30 minutes de plus. » Ah si, t'inquiète, il y avait plein de gens qui étaient en mode « Quand est-ce que vous arrêtez le live ?» Genre vraiment, je te jure, genre, ah, d'accord. Gens qui réclamaient qu'on arrête le live. Quoi. Bon bah, autant pour moi. Si, t'inquiète pas, ils veulent qu'on parte. Pas de problème. Est-ce que c'est demain qu'on fait le live où ils gagnent des cadeaux? Normalement. Parce que c'est possible que ce soit pas demain. Pourquoi? Je sais pas, c'est une question. Ah, bah, je sais pas, nous on nous a dit demain.
Ouais, c'est demain. Ouais. Enfin, c'est okay, ce qu'on nous a dit, quoi. Demain soir, a priori, surveillez le ciel et Twitter, mais en tout cas, on fait un live. Et pendant cela, tout au long de ce live, des cadeaux à gagner. Des cartes cadeaux de 50 balles sur les sites que vous voulez, ou PS5. Donc, si vous voulez vous faire régaler, soyez là demain. Voilà. Et ben, à demain normalement. Ah, oui, a priori. À demain. Salut. Au revoir.